Bon dimanche à toutes et à tous. Bon dimanche à vous, mes chéris. Comment vous allez? Bon dimanche dans la paix du Christ, la paix du Seigneur. Ouh, il est juste bien levé. Agnès a l'air. Ah. Bonjour, ma chérie, bonjour. Véro, Tambi, bonjour. Bonjour, ma chérie Véro. Je suis là, je viens de me réveiller. Presque, bon, ça fait plus d'une heure que je me suis réveillée. Hein. Je suis rentrée le matin à 5 heures. Hein. Je suis rentrée à 5 heures le matin. J'étais sortie avec le beau, hein. On allait un peu s'amuser, voilà. C'est très, très, très bien. On a rentré le sommeil des arbres, maman. Je me suis levée là. Ma tête, j'ai bu l'alcool, il y a ma tête. Puis c'est moi qui étais au volant, mais j'ai pas trop bu. La vie est belle, la calme, c'est dimanche, les enfants sont dehors. Mes copines. Le boy est assis au balcon, il est en train de lire son roman. Je suis aussi ici dans le petit coin là. Merci mes chéris, j'espère que vous passez une belle journée, un bon dimanche dans la paix du Christ. Je suis au Cameroun, hein? Voilà donc, coucou Adélaïde Ambelo, je suis là. J'ai pu sortir et m'amuser un peu, je suis revenue, voilà, parce qu'il fallait sortir le beau un peu. Demain, on va partir maintenant. Non, la semaine prochaine, c'est les congés. Donc, la semaine prochaine, c'est on sera en route. On va faire le petit tour au Cameroun, voilà. Donc, je prends ma bagatelle d'enfant, là, nous tous, on va partir. On va partir, on va aller faire les vacances, les congés. Dans le beau, c'est là au volant demain. Il va faire plus de 500 km demain. Je prends tous mes enfants, pas. Maman part en vacances avec les enfants. Et puis on va revenir, après on va encore repartir. Au niveau, à l'ouest du Cameroun. Hein. Donc maintenant la visite sera au niveau de l'ouest. Il faut que je fasse qu'on ait le père côté montagne froide du Cameroun. Hein. On a envie d'aller à la chute de Konkam. Hein. Voilà. Donc je vais l'amener dans les endroits, voilà, il y a des beaux trucs à la forêt. Moi, je vais pas seulement l'amener dans les bons hôtels. On va faire des routes en route d'abord, on se balade, on s'arrête, voilà. Donc c'est la semaine prochaine, le beau va connaître un peu l'ouest du Cameroun. Ah ouais. Et la prochaine étape, ça serait au sud du Cameroun. Oui, après ce sera le nord du Cameroun, après on va aller au nord. Oui, c'est comme ça. Chaque année, on change. Peut-être l'année prochaine, on ira au nord. C'est un peu, il faut adapter le bon nom. Il est encore fort, donc. Comme il est encore fort, là. Donc, il faut que je profite pour qu'il visite le Cameroun après. Il vient s'asseoir, tranquille. Tu as un bonnet magnifique. Merci, ma chérie en bleu. Mon bonnet. Merci, ma chérie. Regardez le bébé doux, il a déjà appelé sa mère. Oui. Tu étais dehors, non? Pourquoi tu es venu pour venir m'amener ici? Après, quand on t'amène pour te coiffer, on te taille les cheveux là comme ça. Un doigt là? Non, ici. Si, un doigt là, si. Mathieu, qu'est-ce que tu as là comme ça? Enlève ça. Me truc. Mathieu. Mamie, in Douala haben wir versucht, so ein Getränk, man weiß da. Ich weiß nicht. So, doch, machst du Haare. Früchte. Kapisen. Du bist wahnsinnig. Ich habe gern Kapisen. Ich habe Hunger, trinken. Matthäus, was Hunger, Hunger, trinken? Gibt es in Kamon Kapisen? Ja, gibt es Kapisen, aber jetzt, das ist zu. L'enfant, c'est ma merde. Alles, c'est quoi ça? Was hast du? Ich sag nicht zweimal. Regardez le gros bébé. Tu as encore un bébé, hein? Non. Ça, c'est quel bébé, ça? C'est pas pour lui. Tu es bébé. Mathieu, c'est un bébé ou? Non. Et pourquoi tu vas alors dormir sur moi?
Moi, il va être seul, vas-y. Non, il doit choquer. Chez! Menteur. Va reprendre le yogourt. Enfin, c'est, quand tu me vois, il est bien bébé. Regarde-moi comment il est là-bas. Eh, Azambe Wama. Tu n'as même pas honte, Mathéo. Heureusement que j'ai rempli le yaourt au frigo. Le gars, c'est capricieux. Vas? Yeah, yeah. Ya fan si kole. Yed kang mati ospite. Das mi yed yon wwe, ibi na. Kip kan, nan akan finze, pardon. Tu te dehors tout à l'heure, maintenant comme j'assis, va dehors, va les autres. Bois ton yaourt. Oui, bois ton yaourt, après tu parles ça. Laisse-moi un peu tranquille, pardon. Quand tu me vois là, tu deviens ma bébé. Tu n'as même pas honte. Tu peux sky baby, dans quel fin c'est? Pas la télé maintenant, je vais le calme. Va jouer avec les autres dehors. En face, il va me tuer. Il était dehors tout à l'heure, maintenant qu'elle a senti que je suis ici, là. Oh, mes copines. Je suis encore fatiguée jusqu'à présent, je vous jure. Comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe dans Facebook? Bon, vous savez, moi, je ne suis même. Moi, je ne suis pas le direct. Qu'est-ce qui se passe dans Facebook? Quelles sont ces femmes, ces chamailles? Elles se chamaillent encore. Ouais, Facebook, là, moi, c'est trop. Moi, ici au Cameroun, ici, je préfère rester à mon coin. C'est qu'il y a beaucoup là que tu peux dire que non, on peut se rencontrer. Maman, la façon que je vois comment ça s'insulte là, moi, mais je ne peux pas. Ils peuvent me rester à mon coin. Oui, moi, je vais pas au Cameroun, je commence à chier. Moi, je suis aussi dur. Hein. Non. Moi, quand j'arrive là, je suis dans mon petit coin. Je ne vais même pas savoir. Après, là, quand le moment vient, je rentre, on me retrouve qu'en Europe. Parce que les histoires de Facebook, la maman, les amitiés de Facebook. Je peux se méfier parce qu'après la, après avoir rencontré, ça devient une concurrence. Maman, c'est comme ça que l'autre insulte l'autre. Tu avais les odeurs, tu étais ici. Aïe, Facebook. Je vois ces femmes-là qui sont rencontrées. Là, comment elles s'insultent. Pourtant, si elles ne s'étaient pas rencontrées, vues comme ça face à face, peut-être c'était la joie de les voir aller manger, changer un peu. Mais regardez la finale. Oh, tu pues, tu es ceci, tu es vieille, tu es comme ça, ma chaîne. Je suis plus raffinée, je suis plus sophistiquée. Tu as fait. Lydia, viens, rentre. Moi, je vais rentrer sans rencontrer qui que ce soit. Oh, maman, pardon. Je ferai bien ma petite place là. Une place au pays. Je ne suis pas une star. Je ne suis pas moi star. Je ne peux pas. Je ne suis pas star. Je suis que une. Nous avons dit ça, non. Ok, je suis les vues, non. Il ne faut même pas. N'aime même pas me mettre avec les gens pour les vues. Même je reste encore zéro vue comme ça, là. Bonjour mes cadeaux ma chérie, maman. Les villas me donnent quoi? C'est les villas qui font ce que je construise ma maison. Non. C'est les villas. Je suis au pays, je suis bien assise. Je manque de quoi manger, non. Mon porte-monnaie est plein. Ah oui. Je suis là, je n'ai aucun problème. La voiture est garée là. Bien lavée, bien nettoyée. C'est en position de sortie. Le bois a déjà mis sa position de sortie. Au cas où, chérie, il est mon chauffeur. Il dit que ça fait du bien au pays ici. Hein. Coucou, j'aime beaucoup ma chérie. Comment tu vas? Madame Pasto, je suis au pays. Est-ce que toi, tu es rentré en Europe? Hey! Mes copines. Viens ici, oha. Maman, la guerre d'ingénieurs sans les insultes qu'on entend à la vie. Maman, ma chérie, pardon. Mes cadeaux, c'est pourquoi j'évite. Non seulement elle ne fait pas partie de la cabine. Pardon, oh, moi, évite. Ma copine, moi, est-ce qu'elle fait l'ingénieur sans? Regarde-moi. Tu veux qu'elle commence à aller dire que comment je suis sale, je suis noir comme le charbon. Les mamans d'ingénieurs sans, elles ont rencontré, elles sont en train de faire la concurrence d'ingénieurs sans le plus bien fait, le plus moins fait. Maman, pardon. Moi, je voudrais me rencontrer. Non, dans la réalité, hein, quand on parle, vraiment parlons. Si j'ai envie de me rencontrer avec une femme, il ne faut pas quand même qu'on mélange. Vous comprenez? C'est parce que sur les réseaux sociaux, moi, je vois les gens avec qui j'ai envie d'aller me mettre.
Je suis quitté, je suis allé rendre visite à une dame. Elle me suit tous les jours là. Je suis allé la rendre visite dans son chantier, je suis allé au bout. Je l'ai trouvée, elle est là-bas bien posée. Maman, elle est noire comme moi. Oui, quand j'ai arrivé, maman, elle est noire comme moi. Hein. Elle était en cabas. Il y a même pas, c'est-à-dire quand on s'est vu, c'est même pas le genre qu'elle m'avait dit demain que oh, maman, elle est noire comme moi, maman. C'est-à-dire que je me suis sentie à ses côtés bien haut. Parce que quand on s'est dit, je ne t'ai pas dit que Oli, c'est si elle est noire, moi, elle suis. Non, 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 elle n'était pas longue ensemble. Voilà les gens que. Les gens qui ne font pas le Jansan, tu te rencontres avec elle. Ça dépend. Ou bien quelqu'un qui est là, que elle a conçu sa maison au Cameroun. Elle avait son mari. Elle vient, elle reste. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui font le Jansan, qui font la guerre le Jansan. Hmm? Moi, je préserve ma relation avec le beau. Moi, avec un homme posé comme ça, maman, je vis une vie. Je ne suis pas une samsecle. Je ne suis pas en train de. Je commence à venir me mettre avec les femmes que maman. Même un petit bout de terre. Même, c'est-à-dire que. Et même pas un papa au Cameroun. Hein? Il dit que. Non. Les femmes discutent quoi? Mes copines. Elles sont en train de discuter. La concurrence de quoi? Elles sont tous pareilles. Il n'y a pas une qui vient ici, qu'elle reste en location. Tu vas en bain, tu ne fais pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont. Par exemple, on m'a fait tellement peur. Moi, j'ai fait un peu un récit de tout ce que j'entends. Parce que les femmes qui viennent discuter à l'âge, à cet âge, parce qu'elles sont déjà vieilles. Bientôt, elles ont les 50 ans. Soit elles sont déjà les 50 ans. Parce qu'il n'y a pas une là qui a 45 ans. Elles sont déjà plus de 45 ans. Voilà. Voilà, tous ont déjà dans les 50 ans. Il y a beaucoup là qui refusent, mais elles sont déjà vieilles. Une femme africaine, quand elle est vieille, on, ça se voit. Ce n'est même pas à discuter. Vous pouvez mettre le nid ensemble pour faire comme des petites filles. C'est-à-dire que les vieilles femmes dans la peau des jeunes filles, c'est ça qu'on appelle vieilles femmes dans la peau des petites filles. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Comme on dit, il y a garçons, il y a hommes-garçons. Il y a beaucoup là qui sont les vieilles jeunes filles. Ce qui veut dire dans le cerveau, quand je les entends parler, c'est des femmes qui parlent un peu comme des petites filles. Elles sont toujours en train de parler, je suis ceci, j'habite là-bas, je suis à côté d'eux. Si elles mangent, je gesticule. Ça, c'est des petites filles. Ça veut dire qu'elles sont restées petites filles dans la tête. Et ces gens, elles se voient dans la peau, elles se voient dans le cerveau des petites filles. Mais quand vous voyez la peau, c'est une vieille femme. Elle n'accepte jamais qu'elle est vieille. Il y a les hommes comme ça. Il y a les hommes que, mais vous le voyez là, 50 ans, il est comme un jeune gars. C'est-à-dire que le monsieur peut parler, vous l'entendez parler, vous l'entendez parler, il est toujours chaud. Mais il refuse qu'il est vieux. Mais il a 50 ans, mais il dit non, 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 non. Il va insulter les autres, les vieux. Mais pourtant, c'est parce que c'est dans son esprit, c'est quoi? Très jeune dans son esprit. Alors, beaucoup de femmes de ces réseaux sociaux, ce sont des vieilles femmes dans le cerveau des petites filles. Voilà, elles n'ont pas moins de 50 ans. Il n'y a pas une là. Je vous jure, elles ont allé les 50 ans. Bien sonné, ça se voit le visage, ça se voit dans la façon de faire. Parce que moi, je suis déjà une vieille femme, je suis là, regardez, quand je fais, c'est parce que je n'ai pas mis le sang. Mais quand on me voit en face avec que je suis déjà une femme bien avancée, mais j'accepte. Déjà que j'ai un enfant de 25 ans, ça ne trompe pas quand même. Quand tu dis que tu as un enfant de 25 ans, quand même, on peut quand même imaginer, quand même, voilà. Ça ne veut pas dire que tu as encore 30 ans, non. 25 ans, imaginez que je vous dis que j'ai 38 ans. Vous allez demander, j'ai fait l'enfant à quel âge? Parfois, quand tu parles souvent, tu vois une femme qui a un enfant de 28 ans, elle te dit j'ai 42 ans. Elle a fait l'enfant à quel âge? Mais réfléchissez un peu. Mais vous savez, ils sont des vieilles femmes les vieilles femmes dans le cerveau des petites filles, au fait. Et je vois depuis, elles sont en train de discuter juste, je suis belle, voilà. Mais ça me fait rigoler hein, quand j'entends, non, moi, je suis belle. Ça dit que, oh, je suis ceci, ma copine, c'est elle, je marche avec les femmes comme ça. Et à quel niveau, à quel âge? Est-ce que moi, Lydia, je peux me raccoler avec ces genres de femmes? Ce ne sont pas des femmes ambitieuses. Elles vont dire, moi, j'ai élevé mes enfants, moi, j'ai fait comme ça, je mange. Mais dit-on, les vraies femmes ne parlent pas de manger. Les vraies femmes ne parlent pas de la couleur de la peau. Les vraies femmes, elles parlent de ce qu'elles ont fait dans la vie. Elles-mêmes, voilà. Elles vont dire, je parle, voilà les actes. En tant qu'une femme, en tant que femme, j'ai eu à élever mes enfants, j'ai aidé mon mari, j'ai contribué, voilà mon travail. Mais elles sont des bluffeuses. Elles sont là toujours en train de se maquiller, se mettre. Est-ce que d'autres disent même qu'il faut se mettre bien pour faire le... J'ai fait le... Regardez, je suis habillée comme ça. Pour faire les directs. Mais elles ne me valent pas. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je les tape à l'air. Quand on dit monnaie là, ce n'est pas le... Ce n'est pas question de la bouche. Là où j'habite là. Mais quitte. Là où j'habite, ce n'est pas la bouche. Je parle au cabas. Mais quand tu entres chez moi, maman, c'est le marbre qui est au sol. Quand tu entres chez moi ici, tu dis, hé, hey, massa. C'est de ça. C'est-à-dire que j'étonne les gens avec ce que je fais. Je n'étonne pas les gens avec les habits et la nourriture.
On dit que celui qui a fait les choses palpables, qui a dépensé, il ne s'amuse. La nourriture, c'est le dernier de mes soucis des années. Vous comprenez ça? Vous avez vu les riches, vous avez vu Zoukabès s'habiller, porter des vestes de marque. Vous avez vu, tu vois, en babouche, Adidas, non? Plastique. Vous avez vu sa femme, non? Je vous dis que les gens qui ont, ils s'en fichent des habits. Ils s'en fichent de parler que oui, oui, oui. Je ne suis pas en train de faire, on va dire, oh, tu es mal habillé. J'ai vu dans mon direct, il y a quelqu'un, quand je fais le direct l'autre jour, le matin, avant-hier le matin, j'ai vu quelqu'un un peu tard qui a écrit là, tu es comme une mamie, tu n'es pas bien habillé, tu n'es pas bien sexy. Mais c'est quoi ça? Moi, je veux m'habiller sexy, pourquoi? Je n'ai pas mon corps avant, je suis comme ça parce que je suis avec un homme. Je suis, quand je fais des directs, oh, tu es habillé, comme tu prends les cabas, ça dit que la personne que je n'ai pas bloqué, j'ai lu ça, j'ai rigolé. Comme vous êtes habitué avec des filles qui serrent leur ventre et des filles qui serrent les ventres dans les réseaux sociaux pour vendre que des colis. Je suis comme ça, si je suis chez moi, je suis à l'aise. Je suis dans une maison qui est propre. Il faut t'habiller comme, il faut être sexy. Pourquoi je veux m'être sexy? Pourquoi? Donc je dois porter des choses pour soulever les seins, pour faire des directs. Mais vous êtes malade. Je suis chez moi, je dois être à l'aise chez moi. C'est pour vous dire que je ne vends pas. Elles n'ont rien à montrer que s'habiller et monter la nourriture et mettre les rouges à lèvres. Ce n'est que ça qu'elles ont. Ah oui, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, c'est de s'habiller, mettre la ceinture. Et vous voyez, Lydia, je mets la ceinture au ventre dans la maison. Coucou Madeleine, ma chérie. Donc Lydia, je suis à la maison, relâche, je me lève le matin, je prends, commence à chercher la robe que je vais porter. Je mets une ceinture Louis Vuitton ou bien une ceinture MS parce que je vais parler dans les réseaux sociaux. Ah ben oui. Ah pourquoi? Pourquoi je vais le faire? Pourquoi? Vous avez vu les blanches qui font les directs là? Vous avez vu les blanches là? Elles mettent les rouges à lèvres, elles s'habillent bien. Mon cabas, je suis allée chez moi, c'est mon cabas. Oui, avec mon petit truc en bas là. Je n'ai pas enlevé ce matin. J'ai posé le cabas dessus. Je suis chez moi. Il y a souvent certaines sales choses quand on venait regarder les gens dans les réseaux sociaux ou quoi que je vais marcher comme certaines femmes là. Parce que vous partez regarder les gens qui. Moi, je ne suis pas là pour voir les images. Je n'ai rien à foutre. Je ne vends pas les habits, moi. Elles n'ont que ça à vous offrir. Et je dis ceci. C'est pour ça que je ne vous n'allez jamais me voir me coller à elle. Jamais. Vous n'allez jamais me voir avec une femme qui est dans les réseaux sociaux en train de faire les palabres. Moi, je me mets avec elle. Parce qu'elle n'en va que dalle. Je vous dis. Vous comprenez? Non, ces mains ne se respectent pas. Vous me voyez en train de coller mon image, parce que vous me voyez comme ça, là, je suis très orgueilleuse. Vous me voyez en train de coller mon image avec quelqu'un, avec une femme qui passe autant à insulter les autres femmes comme elle. Vous croyez ça? Quand on se voit quelque part, Lydia, je m'en vais m'asseoir avec elle, je bois la bière. Je ne vais pas partir de la cabine. Vous comprenez? Je ne peux pas. Je suis au Cameroun, je passe ma route. Je ne fais même pas. Je vous jure la vérité. Parce que moi aussi, j'étudie, je regarde, on regarde, je regarde. Je ne colle pas mon image à n'importe quoi. Je dis, c'est, je suis rien. Mais quand on dit là, je ne colle pas mon image, je suis zéro. Mais je ne colle pas mon image à des femmes qui insultent les autres femmes. Des femmes qui discutent que des habits, des vêtements, des produits qu'elles mettent sur le corps. Moi, je discute avec, je parle même avec ces femmes-là. Si ces femmes qui parlent au moins, ce qu'elles disent, voilà, je suis en train de bâtir. Je vous ai dit que moi, une femme qui parle de ce qu'elle fait, je suis d'accord. Je quitte pour aller la regarder. Je ne vais pas voir ce qu'elle est en train de faire. Par rapport à voyant ce qu'elle fait, ça me donne encore l'envie de continuer à faire. Coucou Karine, ma chérie. Coucou Mispa. Hey! On vous a mis ça. Quelqu'un me dit que maman, tu es comme une vieille mère. Tu es comme une juxa. Quand tu fais le direct, il faut te mettre bien sexy. Imbécile. Je vais m'exhiber dans les réseaux sociaux. Je ne cherche personne dans les réseaux sociaux. Je ne cherche pas les hommes. Je suis une femme déjà bien assise. En amour, je suis comblée. Je suis relax, voilà. Je ne cours pas derrière les bangalas des hommes dans les réseaux sociaux. Ce sont celles qui vont là pour montrer qu'elles sont belles. Je suis belle à mon homme, comme ça ou pas comme ça. C'est l'homme avec qui je veux m'exhiber devant mon homme. Mes réseaux sociaux, je dois me respecter parce que mon homme, même mettre les seins là, parce que lui n'aime pas ça. Parce que s'il passe les me voir avec les seins dehors, il n'aime pas. Il m'a déjà dit qu'il n'aime pas ça. C'est parce que c'est un blanc, il n'aime pas. Il n'aime pas. Je ne peux pas m'exhiber. Je me mets comme je veux. Mon gars n'est pas. Quoi? Je vous dis, si vous ne comprenez pas pourquoi je suis toujours en cabas. Parce qu'il est là, il passe, il regarde. Il ne veut pas. Il m'a dit, c'est moi ça qui dois te regarder. C'est pas tout le monde qui doit te regarder comme ça. Il a tout à fait raison. Coucou, brava, Franfort, ma chérie.
Ils sont là, tu es mal habillé, pauvre imbécile. Allez, regardez vos soeurs qui s'habillent bien. J'ai rien à foutre. C'est une concurrence. C'est pas une concurrence. Moi, je les frappe avec ça. C'est ce que vous voyez là. Voilà. Au Cameroun, ce n'est pas. Je ne prends pas une voiture, une Range Rover. Ma voiture, c'est la Honda. C'est la Honda. Mais quand je dis, là où je dors, et oh, Assemble Woman. C'est-à-dire que je sors ma Honda, là, tu me regardes, mais quand tu viens là, tu vois le portail que je veux prendre dedans. Tu dis, yes, maman. C'est ça, hein. Il y a les gens qui gardent les voitures ici avec les cuirs. Ça, c'est, la voiture, c'est un bien nécessaire, un mal nécessaire. C'est-à-dire que tu as nécessairement besoin de la voiture pour sortir. Tu peux avoir une petite voiture, mais là où on regarde, ce n'est pas la voiture. Hein. C'est la maison là où tu entres, là où tu dors. Hein? Je suis une petite femme. Je suis une petite femme, je suis au Cameroun, moi. Et dès que tu entres ici, là, ce n'est pas... Tu entres ici, tu n'as pas envie de sortir. Comment? Tu entres ici, tu n'as plus envie de sortir. Qui, tout le monde qui entre ici, même ne dit que les hommes ou les femmes, qui entre ici? Ils se manquent, yes, maman. Ce n'est pas les... Je n'ai pas fait le genre extravagant, le genre... Non, 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 non. J'ai seulement mis là où il fallait mettre. J'ai fait comme il fallait. Mis là où il faut mettre. Pas trop, pas trop, pas petit, pas beaucoup, mais... Tu sais, quand tu entres, tu sens que why. D'ailleurs, quand tu mets les pieds au sol, tu sens que oui. Tu t'assois dans la maison, tu sens que oui. Elles sont là. Tu n'es pas bien habillé, il faut te mettre sexy. Regarde-moi la malchance. Donc, moi, je vais me mettre sexy pour faire les directs. Pourquoi? Je suis journaliste. Mais je dis que les gens, hein, je dis que certains Africains, tellement certaines femmes-là vous ont mis dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous restez seulement sur les apparences. C'est pas possible. C'est-à-dire que l'apparence pour vous est plus importante, mon ami. C'est-à-dire que vous êtes tellement maboule. Les femmes-là vous ont vendu l'affaire de leur corps, leur indien. C'est-à-dire que vous passez le temps à les comparer. Oh, telle est belle, telle n'est pas belle. À quel âge les vieilles femmes dans la peau des petites filles? C'est des vieilles mamans. Ils vous disent que les femmes-là ont les 50 ans. C'est qui refuse là? C'est parce qu'elle est dans la peau d'une jeune fille. Mais ce sont des vieilles femmes. Je dis que ces femmes-là, elles n'ont pas moins de 50 ans. Vous comprenez? Ça se voit. C'est parce que quand on parle, on change, on fait un peu ça. Mais il dit que c'est les vieilles. Quand elles sont au Cameroun ici, là, mais quand tu vas dire que la femme-là, comment tu dis qu'elle a les 50 ans? Si ces femmes-là laissent le genre sans vrai, qu'elles laissent que la peau noircisse un peu, vous allez voir leur vrai âge. Coucou Erin, ma chérie. Ok. Ils sont là. Et fait des maquillages. Tu n'es pas sexy quand tu fais les directs. Vraiment. Donc, c'est ce qu'on vous a dit. Vous voyez que je marche comme des moutons congolais. Donc, il y a une là qui a dit qu'il faut s'habiller. Je veux qu'elle nous montre la maison pour dire que nous, on veut voir l'intérieur, la maison que vous construisez. Montrez, parlez des vraies choses. Vous nous parlez des habillements. Les habillements, c'est pas vrai. Les habillements, chez le blanc, moi, je suis fatigué des habillés. Moi, j'ai des habits que je ne porte. Moi, je suis ici. C'est plein là, c'est versé. Les chaussures, je ne porte même plus, c'est versé. Et à un moment, on a porté des habits, à un moment, hein, franchement, j'ai porté les habits, je changeais chaque fois. J'ai porté les talons, mes talons me font, il y a mal aux pieds. Voilà, mais le boudin versé, je ne porte plus le boudin là. Hein, voilà. J'ai mes ceintures là, Hermès, tout, je ne porte plus. J'ai mis le boudin aux pieds, ça me fait mal, j'enlève. Je porte que les chaussures basses maintenant. Avec le temps là, je monte les pieds, c'est parti, les os deviennent gâtés. Les talons là sont là. Je n'ai plus à porter des talons. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire? Moi, j'ai porté les talons, mon ami. Les hauts, machin, les 15 cm, j'ai porté ça. Quand on dit femme qui a porté les... Maman, hey! Tu me vois ici en boîte à l'époque, là, maman, tu vois, il met le talon au pied, maman. Je suis là pour... Aujourd'hui, ça me dépasse. Je n'arrive même plus. Mes pieds me font mal jusqu'à... J'ai essayé de porter, j'ai mis le bois. Il a seulement dit porter la chaussure qui était... J'ai porté, maman, je suis plate. Mais le coucou, Charles, malin, ma chérie. Elles sont là. Mais les chaussures, est-ce qu'elles montrent les chaussures? Vous montrez encore les chaussures à nos jours. Vous montrez encore les chaussures à nos jours. Et merci, Miss Pambon, ma chérie. Coucou, Véro. Vous portez encore les chaussures, vous vendez avec ça. Richard, mon chéri. Mon homme, il est au balcon. Parlez de nous, ça. Mon homme, il est au balcon. Il est content. Il me respecte. Ah, Kamatos, quitte pas de moi. Ici, ça fait quoi? Tu es encore revenu ici. Hey! Tellement, vous êtes là, vous comparez les gens à les bêtises même. Mm.
Mais bien sûr, Alice Payne. Je suis ici au pays, maman, mes habits sont versés là. J'ai pris la valise, j'ai pris le beau voir, on ne porte même pas. J'ai les habits, hein. Quand vous dites sexy là, j'en ai. Mais maman, tu mets sur le corps, tu enlèves. Le Cameroun aussi, mon frère. Celles qui sont là, elles sont obligées. Parce que quand vous le voyez dans les réseaux sociaux, quand elles savent que vous les dire, elles s'habillent bien. Hein. Mais après, là, dès qu'elles finissent, elles enlèvent. Elles ne vous mentent pas, elles enlèvent ça. Elles enlèvent parce qu'ici, les femmes mettent beaucoup le kaba. Les femmes mettent beaucoup les trucs légers. Moi, je vois partout. Là, ils disent que les femmes mettent beaucoup plus les trucs légers au corps. Il fait chaud au pays, mon ami. Le soir comme ça, maman, la chaleur, quand tu parles là-haut, on était hier, là, il faisait chaud. Mais heureusement qu'il était habillé un peu légèrement. Si elle mettait au talon, j'allais mourir. Le bon maman dit que tu as raison de porter parce que les talons, je pouvais même bouger comme je bougeais là. Elle m'a mal à l'aise. La ceinture, j'ai mis la ceinture ici, j'ai encore enlevé la ceinture et déposé par terre. Il dit que, hé, hey, elles sont là, machin. Les ceintures, MS, ceinture, Louis Vuitton, ça chôme là. Hein. Oui, oui, oui. Chanel, Jeanne, c'est là. Elle ne porte plus depuis 1900. Ouais. C'est posé encore neuf là. Oui. Hermès, c'est là. Oh, quand je portais à l'époque, oh là là, mon argent. C'est versé là. J'ai mis la ceinture, j'ai enlevé hier. Vous voyez combien de fois à ce niveau, je suis plus à ce niveau moi. Je vais être à l'aise. Parce que si je serre mon ventre, c'est pour serrer le ventre. Pourquoi? J'ai un homme qui m'aime. Je dois être à l'aise près de mon homme, je dois bouger, être à l'aise près de lui. Je n'ai pas envie de serrer la ceinture comme si je serrais la ceinture pour montrer aux gens, non. Je suis arrivé à un stade, quand une femme est déjà avec son homme, elle se met sexy pour son homme, elle ne se met pas sexy pour les autres. C'est-à-dire que tu vois les femmes qui se serrent le corps comme si... Quand tu serres ton corps, tu pars, tu t'assois, tu es mal à l'aise, tu rentres... Tout ça pourquoi? Il y a certain âge, hein? Mets les habits qui te vont, qui te font respirer. Parce que les habits là, on peut emporter. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Vous comprenez? C'est le dernier de mes soucis. Ne venez plus jamais me dire, il faut être sexy. Je ne suis pas comme certaines femmes. Il y a certaines qui choisissent les habits pour faire leur truc avec. Il y a certaines, moi, je ne fais pas partie des femmes qui choisissent les chaussures et les habits. Nous sommes très différentes dans la vie. Ne vous adressez plus à dire celle qui n'a pas porté. Vous voyez que parce qu'elles ne voient pas, elles peuvent, elles ne veulent pas. Vous croyez que les habits là c'est quoi? Elles ne veulent pas porter. Moi je suis parmi les femmes qui ne veulent plus porter, mes soeurs. Je fais mon direct comme je sens. Regarde alors s'il fait chaud. Donc j'allais serrer l'habit, je serre une chemise, je vais m'asseoir là, la sueur commence à couler aux aisselles. Je parle et je suis. Pourtant je suis à la main parce qu'il faudrait que vous me voyez. Parce qu'il faut que je vende une image. C'est-à-dire que j'ai la douleur, je vends une image fausse. Ça veut dire souffrir dans ma chair et vendre une image. Et dès qu'elle finit, il fait ce ouf, je jette sa pâté. Enfin. C'est comme ça qu'elles font. Elles enlèvent, elles jettent. Maman, elle vous dit quand elles finissent là. Vous voyez tout ça, même qui porte des ceintures pour faire les directs là. Vous les voyez là. C'est juste une place pour avoir là, pour qu'on vous voie. Mais quand elles finissent, la première chose, elle enlève la perruque là, elle tristement que ouf, je ne vous manque pas. Nous tous, on a ce même geste là. Parfois, quand elle porte la perruque ici, j'ai fait le direct. Je vous dis que quand j'arrête mon direct, le premier, je suis là pour la perruque, que Seigneur, la chaleur de ça. C'est moi qui suis avec la chaleur. Hein? Parce que je voulais montrer que je suis belle. Mais la chaleur. J'enlève les habits. Parce que quand tu parles, tu sues. Elle parle, elle sue. Vous comprenez? Dès que tu es fini, elle enlève les ceintures. Toutes ces femmes que vous voyez là. On connaît, non? Est-ce que vous faites des directs comme nous? Je vous dis que ce que je vous dis, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas deux. Elle va mettre les pantalons qui s'aiment, la veste. Elle fait les directs. Ah, car. Je vous dis qu'à l'intérieur, là, une heure de temps, l'angaï souffre. Tu la vois, elle, là, elle souffre. Elle ne peut pas parler. Elle souffre. Dès qu'elle a fini, là, elle accroche, crac, prop, foup, la ceinture rapidement, foup. Elle prend le cabas, elle lance sur elle, ça saute au canapé, elle dit, ouf, mon Dieu, elle fait ça. Il n'y a personne qui la regarde. Non, on connaît. Donc, laissez les gens. Vous savez, parfois, quand je suis en Europe, je porte un habit un peu, je porte un truc un peu, je mets la ceinture. Ah, ça va, ouma, avec la perruque. La chaleur peut me tuer. Je ne vous mens pas. La chaleur peut me tuer. Tout ça, pourquoi vous me voyez, Nyanga? C'est-à-dire que je n'ai même pas envie de suer la poudre que j'ai mis sur le ville. Mais quand j'ai fini avec vous, là, je prends, je suis là-bas, le rouge, là. Je prends la pluie, je jette, j'enlève la bille là sur moi, je jette, après, il prend le cabalan sur moi, il tombe au canapé, il dit que femme normal. C'est toujours l'effet de direct, là. Si vous venez me voir à l'heure, là, ok, vous allez même vous donner que c'est encore Lydia, là. J'enlève tout, je jette, hein, tout. La ceinture, je descends mon ventre, je lance là-bas. Vous n'allez pas nous tuer? Non, on connaît. Ces femmes que vous voyez, la perruque, plus les habits que tu as serré le cou et tu es dans la maison. Tu bavardes, tu. Mon Dieu. Elle souffre.
Alors, je ne peux pas être comme elles. Elles sont obligées. Parce que vous les avez rendues comme ça. Moi, je ne peux pas. Je suis à l'aise avec mon cabas. Je soulève mon pied en l'air. L'air entre dans mes fesses. Alors, si l'air entre dans mes fesses. Parce que quand elles sont assises comme ça, la sueur coule même sur les fesses là. Oui. La chaleur. Parce qu'elles portent maintenant les pantalons noirs. Elles sont obligées de porter des choses qui ne se voient pas. Parce que la sueur coule entre les pieds là. Elle ne peut pas faire l'erreur. Hein. Elle porte les noix maintenant. Il faut que tous portent les noix maintenant. Des trucs un peu pour le bas. Parce que c'est la sueur coule ici entre les jambes là. Mais bien sûr qu'ils enlèvent la gaine. Non? Ah, car. Laissez ça. Parce que la gaine là donne la chaleur. Hein. La gaine là donne la chaleur. Qu'on ne vous trompe pas. Lydia, alors, si je n'ai pas les perruques, je suis à l'aise. Je suis à la maison. Je suis à la maison. C'est pas joli ça? Je suis à l'aise, mes chéris. Voilà le truc que j'ai dormi avec. J'ai produit au cabas, j'ai lancé dessus. Mes copines, j'ai tapé mon direct, je suis assise avec. Pas de rouge à lèvres, pas de maquillage, rien du tout. Si vous regardez la vidéo, les petites vidéos, j'ai été un peu yanga hier. Aujourd'hui, ce matin, je suis différent. Parce que même la chaleur, maman, la chaleur, elle m'a tué hier. Là-bas, là, quand elle était là, maman, quand elle dansait, maman, j'étais mouillée. C'est tu bouges comme ça avec la perruque. Je pouvais m'enlever la perruque que j'étais parce que là, c'était. Dieu merci, mon chéri a dit qu'heureusement que tu n'as pas porté les talons. Hein, parce que franchement, et il m'a touché, j'étais mouillée. Hein. Parce que je bouge un peu la chaleur. C'est la perruque là qui fait que j'ai chaud. Tu vois le roux, c'est-à-dire que le maquillage sur toi ne bouge pas. Hein. Tu sais que les histoires là, tu es obligé de te tenir. Bouge un peu. Ça commence à couler tout ce que tu as mis. Tu es obligé de rester là comme ça, regarder les gens. Tu bouges un peu comme ça là. Tu sens quand il fait chaud, tu commences à faire comme ça là. Pour que l'air entre. La bonne musique, je passe, tu ne bouges pas trop parce que la sueur va couler partout sur toi. Mais comme moi, je voulais me défouler, j'étais mouillée. Hein. Oui, si vous me voyez après là. Erika Aka, ici elle n'a pas bougé, pourquoi? Je me suis levée, j'ai dansé bien jusqu'à 5 heures le matin. Erika Marchand, c'est quoi? Heureusement qu'il ne fait pas les directs. J'ai demandé que si quelqu'un me filme ici là, il a tort. Hein? Parce que alors, si ici là, je ne vais pas bouger parce que quoi? Je me suis défoulée hier. Hein? Oui, oui, oui. Imaginez alors que si j'étais avec ces femmes là, les femmes des réseaux sociaux, elles allaient me filmer. Hein? Parce que moi, je me défoule. C'est ça que je dis que mieux encore les éviter parce que le temps que tu avais été défoulée là. Parce que quand tu fais ces trucs-là, la perruque, tu peux même enlever ça. Tu mets dans ton sac. Parce que mes chéris, c'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas te défouler parce que tu es assis avec une autre de peur qu'elle va raconter que où était avec Lydia. Quand elle allait son petit maquillage, maman, elle est laide. Maman, tu es avec tes gens. Tu enlèves, quand il fait chaud, tu enlèves, tu sutes le. Maintenant, tu es libre. J'ai bien bougé. Je suis rentré 4 à 5 heures. Je me suis couchée jusqu'à 10 heures le matin. Je suis contente. Merde. Vous croyez que quoi? C'est ça qui est ma valeur. Vous croyez que c'est ça qui est ma valeur? Parce qu'à un moment, je ne peux plus porter des talons. J'arrive plus à porter des talons. Je ne vous mens pas. J'arrive plus à porter des talons. J'ai mal aux pieds. Et comme j'ai encore pris le poids, c'est grave. Parce que moi, je me dis, quand j'ai porté celle au boudin, là, j'avais encore les 55 kilos. Maintenant, là, je sens que ça n'accepte même plus. Quand je porte, je marche comme quelqu'un qui veut tout qui. Maman, il marche. Il y a la différence. Il faut que j'accepte que je vieillis. Ah oui. Mais je m'entretiens, c'est tout. C'est normal. Je vois mes enfants qui grandissent. Moi, je suis en train de vieillir. Quand tes enfants, tu vois tes enfants en train de commander, toi, tu seras toujours jeune fille. Maintenant, je porte, c'est ma fille qui porte des chaussures hauts. Moi, je peux porter des ballerines. Oui, je peux porter pas des talons, pas trop hauts. Parce que sans vous mentir, les talons très hauts, je ne peux plus porter. Hein. Je vous dis, mes chaussures sont alignées, je ne peux plus mettre ça au pied. Vous comprenez? Maintenant, je prends les talons, les petits talons comme ça. Parce que ça veut dire que quand l'âge augmente, on change le système. Et ton corps ne peut plus. Il faut accepter. Parce que même ceux qui portent les talons, c'est juste pour faire les vidéos. Hein. Je me mens pas, c'est pour les vidéos. Dès qu'elle finit, elle enlève. Moi, je connais les talons, enfin, un certain âge, les talons te font mal aux pieds. Il faut dire, ça fait mal aux pieds. Ça fait très mal aux pieds. Ah oui, c'est-à-dire que, comme le beau souvent, que, on dit pour être belle, il faut souffrir, c'est vrai. Parce que même vous souffrez, hein. C'est toujours ça pour la beauté, là. Parce que tes hôtels, là, te font mal, tu es là, tu souffres. Et quand j'enlève, voir comment je commence à faire mes pieds comme ça, je balance ça. Pourquoi? Il me dit, mais pourquoi tu souffres? Faut arrêter ça. Hein, c'est un âge, le corps. Moi, j'ai grossi. J'ai pris du poids. Et il faut que j'accepte mon corps. Oui. Mon ami. Hein, Irène, quand? Ah, maman. Eh, pardon. Je me fiche le camp avec les talons, dis donc. Ah, mes pieds me font mal jusqu'à.
Je ne supporte même plus. Hein. Je vous dis que je ne supporte plus les talons-là. J'ai mis ça hier, j'ai enlevé. Et qui? J'aimais, j'ai enlevé des cardinaux. Je vais bazarder tout ça. Maintenant, je cherche les chaussures qui me vont bien, les petits talons comme ça, les chaussures, les petits. Oui, à là, ici, c'est les petits talons. C'est les petits trucs, mais jolis. Merde. Parce que j'avais eu la VC. Non, moi, je peux pas. Bon matin, ma chérie Rebecca. Coucou, ma chérie Mbumbo, comment tu vas? Bonjour, Kaen. Merci beaucoup, Kaen. Je suis naturelle, non? Maman, regarde-moi la malchance. Il dit que les gens des réseaux sociaux, allez suivre les femmes-là qui mettent les manèges ensemble. Elles sont habillées, c'est maquillées bien pour faire. Moi, je ne fais pas. Je suis comme ça. Je ne vends pas moi mon corps. Je ne vends pas mon... Ce que vous devez venir écouter, c'est ce que je sors de ma bouche. C'est ce que je vous montre, que je fais, des exemples que je vous donne. C'est-à-dire que les petits encouragements. C'est ça qui est important parce que vous n'avez pas à venir regarder ma beauté. C'est ce qui sort de ce qui était avec des bonnes choses. Et beaucoup de femmes qui m'ont suivi, elles ne sont jamais retardées pour ma beauté. Elles viennent prendre quelque chose. Moi, j'aime les femmes qui viennent prendre quelque chose. Lorsque je fais mes directs, je ne vais pas là pour montrer mon corps. Et je n'ai jamais parlé de mon corps. Vous comprenez? Je ne suis pas comme certaines-là. Je parle des choses réelles. Laissez-moi. Il faut être sexy, Lydia. Tu es dans ta maison comme ça. Mets-toi sexy. Ah, ça, bah, ouais, je me mets sexy dans ma maison. Pourquoi je vais mettre... Ma maison est déjà sexy. Je vais encore mettre sexy. Pourquoi? C'est ma maison qui doit parler pour moi. C'est ma maison qui doit parler pour moi. Ah, non, maman. Mais même si tu as les pieds palmés, c'est une partie des beautés de ton corps, ma chérie. Laissez-nous avec ces histoires-là, on s'en fout. Tu as les pieds palmés, mais c'est que toi tu fais. C'est ça qui parle ta vérité, hein, ma copine, ma chérie, Angéline. Moi, je ne regarde pas l'autre. C'est ce que je sais. Maman, je suis partie rencontrer une soeur, maman, elle vit en France. Je l'ai vue, maman, la femme était... Mais comment? Je ne vais pas mettre à l'insulter. Non, mais il faut respecter les gens. Elle était en babouche, caoutchouc, elle était en cabas. J'ai dit que c'est une femme qui vit, mais elle est dans son chantier, il fallait la voir. J'ai parlé comme une folle. Je suis dans son chantier. Elle est débraillée, même. J'étais avec mon homme, non? Il dit que, c'est-à-dire que mon homme a dit que, oh, papa, tu sens la souffrance, elle est comme toi. C'est-à-dire que vraiment, elle est souffre. C'est-à-dire qu'on regarde la souffrance. Quand elle est en France, elle est une autre femme, mais quand elle est ici. Donc, je vais commencer à aller là-bas, au lieu de mettre la main sur le cœur, regarder comment une femme qui est là, qui est assise, il n'y a personne qui l'aide, elle doit diriger un immeuble. Mais à l'heure là, mais quand j'arrive, je regarde ses œuvres, je dis que ma soeur, courage, je ne suis pas là pour se regarder ses chaussures et sa beauté. Et quand je quitte là-bas, c'est une femme comme moi, c'est normal. Est-ce que je suis partie pour regarder ce qu'elle porte sur le corps? C'est ce qu'elle fait qui m'intéresse. Ce n'est pas le corps, hein. Mais il faut respecter le corps des gens. Même si elle a les pieds palmés, c'est ça. Elle est née comme ça, tu ne peux rien faire. Je suis chirurgien, si je pouvais opérer tout le monde, je pouvais opérer. Mais il faut qu'on respecte les gens, hein. Bonjour, Alita, ma chérie Zita. Mais il faut respecter. Mais ces vieilles femmes des réseaux sociaux là. Allô, Léana, ma chérie. Mais c'est écœurant. Je dis que les vieilles mamans, là, elles sont dans la peau, elles sont dans le cerveau des jeunes filles. C'est pourquoi vous me voyez, je les regarde. Je dis que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre avec elles. Parce qu'elles n'ont pas grandi. Elles n'ont pas grandi. Moi, je vois les choses d'une autre manière. Elles n'ont pas grandi. Les femmes qui se mettent en longueur de journée de parler de la beauté de l'autre, mes chers, ces femmes, elles ont raté quelque part. Parce que quand on a plus de 50, on ne parle plus de la beauté, parce que nos corps vieillissent. Elles vont mettre les habits, hein. Mais quand on enlève les habits, on se met nus. Nous tous, on se ressemble là, pied en langue. On a les brûlés. Ma part, il y a devenu, j'ai deux dents. J'ai mes fesses, soit devenu deux dents. Mais, soit je ne mange plus, je maigris, je deviens squelettique. Mais si je me déshabille, maintenant, je ne suis plus déjà de cela 4 années. Hein. J'ai les plis derrière le dos là. Hein. J'ai le pli maintenant, c'est grave. Mais j'accepte mon corps comme ça. Toutes là, quand elles mettent les gaines. Qu'on enlève, qu'on se met alors qu'on porte rien que les caleçons. Nous tous, on a les doudanes. Nous tous, on a les doudanes. Mm-hmm. On a les plis, nous tous là. Ceux qui mettent les ceintures, c'est là. Ah, car, laissez ça. Laissez ça. Dès que c'est des habits là, ce n'est plus le corps qui dit j'ai un beau corps, c'est faux. Le ventre est déjà tombé un peu là, peut-être qu'on m'a pas là. Oui, nous tous là. À partir de 40 ans, 45 ans, quand on commence. Hé, ne trompez pas les gens, hein. Laissez ça. Laissez ça. On a déjà tous les doudanes. Hein? Vous comprenez? Tous là. Elle met les ceintures, elle peut même mourir pour rien.
Elle serre le ventre. Aka. Dès qu'elle a les ceintures, elle regardait un peu comment elle fait. Elles sont obligées. Hein? Elles sont obligées toujours de toucher le ventre. Aka. Dodan est ici plié devant la plaque. Bien plié. Comme ma part là. Ma part déjà pliée. Hein? Ma part pliée, c'est ma. Oups. Ma part là, ça m'a entendu qu'elle pliée devant là. Même si je recule le ventre, ma part a déjà fait des escaliers. Cette fois-ci, mon ventre a fait des escaliers. Hein? Vrai, vrai. Pour me dire que là, tu es partante. Tout ce que tu vas faire maintenant, là, c'est pour rien. Ça veut dire que même que j'ai accouché, non, je faisais des efforts. Ça veut dire que je ne dois plus manger. Je dois me priver. Aza, qui se prive alors si m'a dit, je mange bien, je dors bien. Tant que mon nom accepte mon corps comme ça, il ne me complique pas. Je ne suis pas la femme de tous les hommes. Je suis la femme d'un homme. Il a vu mon corps, il a eu les dos d'âne. Il est que là. C'est pour lui. Tout ça, c'est pour lui. Il accepte, il caresse, il adore. Ça me suffit. Ah, ça me va. Tu ne vas pas manger. Je mange bien. Je coupe le beurre, je mets sur le pain. Et là, c'est ma cagne. Si je meurs là, c'est terminé. Hein. Tu es là pour... parce qu'il y a certaines femmes qui vont faire ça. Oh, c'est vous, les... moi, je ne suis pas une lesbienne. Si mon homme qui... Moi, je ne peux pas faire ça pour vous, les femmes, là. Sauf vous êtes les lesbiennes cachées. Hein. J'ai dit ici que les réseaux sociaux, les femmes qui insultent les autres, ce sont des lesbiennes cachées. Ce sont les lesbiennes cachées. Parce que comment une femme va s'arrêter sur la beauté d'une autre femme? Hey! Les vieilles mamans, les vieilles rococo. Eh, ah, oh, je suis belle. Oh, ma peau. Eh, je mange bien. Quand je porte mon habit, c'est pas... Maman, regardez, j'aime ventre plat. Pardon. Dodan, oui. Enlevez. Ne nous montrez pas dans les habits. Si vous voulez, on fait challenge. On enlève, on pose les caleçons, on nous filme. On pose, nous tous là. On cache les visages. On cache les visages. Parce que ces blogueuses-là, il faudrait qu'un jour, on se fait que... On coupe nos têtes. C'est-à-dire que chacun met le caleçon, on s'aligne. Chacun met le caleçon noir, on laisse le ventre, on porte les soutiens. Les soutiens normaux, hein, pas les soutiens qui vont soulever la poitrine. C'est-à-dire qu'on met les soutiens normaux, comme les femmes qui vont faire opération, elles s'habillent, non? On s'habille comme ça, on cache. C'est-à-dire qu'on coupe à partir des pieds, on coupe aussi à partir d'ici. Maintenant, on ne montre pas la tête. C'est-à-dire que chaque femme va reconnaître que ça... Sa blogueuse. Chaque femme va reconnaître sa personne. Maintenant, les caleçons, hein, je dis bien des caleçons, on laisse nos ventres. On filme de devant et de derrière. Maman, même forme. Vous allez voir ici les plis. Maman, les plis. Nous toutes. Ah, je dis qu'on aurait tous les plis et les dos d'année. Ah! Mais on ne peut pas qu'accepter. On ne va qu'accepter. Elles sont là pour se tuer avec les gaines. Vous voyez que moi, je porte encore les gaines aujourd'hui. Je ne porte plus. Je ne mets plus de servante. C'est terminé. Maman, quoi? Il est parti où? Ah non. J'ai souhaité de me dire, oh, Lilia, il fait t'es sexy. Tu ne peux pas être chez toi comme ça. Tu es toujours comme une mémé. Je serai comme une mémé. Alors? Et alors? Et alors? Ça vous gêne à quoi? Je suis déjà vieille, moi. J'ai toujours dit, je suis vieille. Et elles sont combien là qui disent ça? Elles refusent. J'ai les enfants qui sont vieux. Il faut accepter son âge. Mon Dieu, quand je vous dis que ma fille a 25 ans quand même, respectez-moi quand même. Hein? Mais j'essaie de faire des efforts pour m'arranger. Je voulais que je dise que j'ai quel âge? J'ai 30 ans. J'ai dépassé 30 ans, moi. Waouh! Et bientôt, là, j'ai un pied vers la tombe. Hein. Et méfiez-vous. Respectez les gens. Hein. Vous voulez que je revienne comment? Comme une petite fille de 30 ans. C'est-à-dire que tu vois une fille de 30 ans, je commence à faire comme elle. 35 ans, elle fait comme une fille de 35 ans. Je fais comme une femme de mon âge. Ce qui est, j'assume. Voilà. Les femmes qui ne veulent pas assumer, là, je ne suis pas avec elles. Assumez. Quand tu as un enfant de 25, 30 ans, tu assumes. Tu es une belle femme. Parce que tu vois la beauté sur tes enfants. Moi, je vois ma fille, elle est belle. Et puis ma fille, elle a réussi le deuxième tour. German est top model. Hein. Je voulais dire que ma fille a réussi. Deuxième tour. Elle est partie en Allemagne. Et puis elle a réussi le casting. Donc, deuxième tour encore. Alors, ma fille, là, elle deviendra bientôt. Là, si elle réussit encore le deuxième casting, ma fille sera à la télévision de l'Allemagne. C'est là que vous allez voir la beauté de Lydia sur ma fille. Voilà que j'encourage ma fille qui est en train de faire être mannequin. Ok, au lieu que je laisse ma fille, vous devez apprécier plutôt mon enfant, c'est-à-dire que c'est mon fruit là.
On apprécie nos enfants maintenant. On est fiers de les voir. Hein. Ah, ça va? Moi, j'apprécie mes enfants. Je vois mon garçon, il est beau garçon. Je regarde ma fille, je dis, waouh, quand j'étais encore comme ma fille, lorsque j'étais encore comme ma fille. C'est qu'elle fait aujourd'hui, elle devient mannequin. Peut-être moi aussi, je pourrais être mannequin. Aujourd'hui, elle devient mannequin parce que j'ai fait mon corps. J'ai enlevé une partie de mon corps. Je lui ai remis. Je vais mettre à faire des concurrences à deux balles. Je m'entretiens en tant que maman. C'est normal. Voilà, ton premier garçon a 26 ans, le 14 échec. Voilà. Oui, Coretta. German est top modèle. Elle a réussi le deuxième. On l'avait appelée de venir parce qu'elle avait son casting. Elle est venue passer au casting. Elle a réussi le casting. Voilà. Donc, en septembre, c'est le deuxième tour. Et si elle a reçu le deuxième tour en septembre, c'est là maintenant, elle va passer à la télévision en Allemagne. Donc, avec Heidi Klum, hein. Donc, elles vont aller peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Elles vont voyager avec elle dans un pays qu'on va choisir. Ils auront là-bas pour faire le casting, faire le machin, pour être une top modèle. Mais voilà, en tout cas. Mais elle est parmi beaucoup parce qu'elle est naturelle. Elle m'a un peu raconté parce qu'elle a les cheveux naturels et noirs. Dès qu'elle est arrivée, ils ont commencé à sourire qu'elle est naturelle, très belle. C'est ma fierté. Je suis très fière. Elle m'a annoncé ça ce matin. Je suis très, très contente. Je suis fière. Voilà. Donc, arrêtez-moi vos bêtises, là. Je dis que ma fille, je dis que Germany, next top model. Je dis bien international. Ce n'est pas les histoires de... Quand je dis que Germany, next top model, international. Parce qu'elle a gagné beaucoup de castings en Suisse. C'est ça, je dois être fier. Si vous parlez des gens, quand vous parlez que vous avez, il y a certains qui sont là, j'ai élevé mes enfants. Maman, je propulse, c'est-à-dire que mes enfants vont le jour, je suis en train d'encourager. Je suis fier de ma fille. En médecine, elle est top. Maintenant, elle fait des trucs, elle réussit. Parce que je bénis le ciel, je bénis sur sa tête. Ce que ma fille fait, elle réussit tout le temps. Vous comprenez? Elle réussit. Elle fait ma fierté. Mais je ne parle pas comme beaucoup d'entre vous là. Tu es en train de parler, il y a mes enfants. Moi, je ne parle pas. C'est les actes qui comptent, vous comprenez? Je n'ai pas obligé de dire, je l'ai élevée, j'ai fait ceci. C'est les actes qu'elle fait. C'est ce que j'ai pu faire en elle qui la rend aujourd'hui comme ça. Ça se revoit sur mon enfant. C'est pourquoi je ne parle pas. Les gens que les enfants qui sont calmes, ils ont des bonnes éducations, que les enfants s'en sortent et ne parlent pas, font pas la talakou sur leurs enfants tout le temps. Ce sont ceux que leurs enfants n'ont pas réussi. Qu'elles font l'obligé de faire la talakou sur leurs enfants chaque fois. Parce que quand tes enfants réussissent, ça te rend calme. Tu peux parler occasionnellement, comme j'ai parlé d'elle occasionnellement en disant que voilà, elle a réussi le deuxième casting. Voilà Zita, sa première à 26 ans. On est fiers de nos enfants. On est très fiers, nous sommes fiers. C'est nos fiertés. Hein? Ils ne peuvent pas être pareils. Ils ne peuvent pas être que. Je ne veux pas dire que mon enfant va aller passer pour être doctorat ou machin. Non. Mais c'est ce qu'ils font qui compte dans la vie. Ce qu'ils font qui est très important, qui s'en sortent. Et qui font les choses et que nous. Parce qu'à cet âge, on ne peut pas gérer leur vie. Nos enfants, à cet âge, ils sont majeurs. Mais seulement, on met les genoux un peu, on prie. Et chaque fois qu'ils avancent, on prie le Seigneur que merci Seigneur. Et on les évite de parler parce que ouais, mes enfants, moi je suis pas ma fille surtout, je la protège beaucoup. Vous allez voir ma fille dans Facebook? Non. Si vous voulez voir ma fille, parlez dans Instagram. Hein. Dans Instagram, c'est là-bas qu'elle est. Dans Facebook, elle n'est même pas dans Facebook. TikTok, elle est même sortie dans TikTok. Je me comporte bien parce que pour faire les choses comme ça, comme elle fait là, maintenant, on a demandé mes photos. Il faut qu'on me connaisse. Parce que les trucs comme ça, il faut qu'on connaisse sa maman. Elle est obligée d'envoyer mes photos là-bas à ces gens-là qui vont le casting. Son frère, voilà. Les vidéos là, on est ensemble. Parce qu'ils vont regarder. Parce que tout ça, ça émane. Regardez-moi ce que je suis dans les réseaux sociaux. Comment on m'a nudité. C'est pas bien. C'est pourquoi je vous dis, après on va entrer insulter les femmes. Après, on ne capte pas montrer là-bas. On va ma fille qui vient. Germany next to model. On commence à montrer que voilà sa mère. C'est pas bien. C'est pas que je ne peux pas me mettre avec les femmes parce que j'ai des enfants qui ont de l'avenir. Ça peut nuire à leur avenir parce que demain, quand elle va faire ça, je suis assise, on fait les vidéos, on regarde que voilà sa maman. C'est pourquoi j'évite. J'évite. Je ne suis pas les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Dans les réseaux sociaux, si les gens décident de gâter la vie, leur vie, ce qu'ils font, ça gâte aussi la vie de leurs enfants. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est pourquoi, vous voyez, j'évite beaucoup.
Parce que j'ai mes enfants, ma fille, surtout ma première fille à préserver. Parce qu'elle a de l'avenir devant elle. L'image, mon image maintenant est là-bas, dans le casting qu'elle a fait en Allemagne. Parce qu'ils cherchent un peu à savoir. Je travaille, je viens en Suisse, ils regardent. Parce que ma fille doit avoir une renommée. Et il faut qu'on regarde sa mère. Je travaille, Dieu merci. Elle a un peu parlé de moi, elle a posé la question sur moi. Et même s'ils viennent à ma page, ils vont voir que je suis une personne qui donne qui parle des sujets. Très bien. Ma fille m'a dit, j'ai dit que, et pour, comme elle m'a dit que non, toi, quand tu parles des sujets, mamie, tu donnes des bons conseils aux gens. C'est bien. Et mon homme m'a dit que tu donnes des bons conseils. C'est ça que je vois, je fuis la merde là. Ouais, les femmes vont me voir les réseaux sociaux, ils disent, on va se croiser. Je me croise pourquoi? Après, quand elle m'assoit, après, des mains, c'est mon nom qu'on déchicote, des mains, c'est les photos, oh, tu allais t'aligner. Après, on commence à dire, oh, tu allais t'aligner avec cette femme qui est. Je ne veux pas. Elles ont choisi ça. Moi, je ne peux pas marcher avec elles parce que j'ai la vie de mes filles à préserver. Vous comprenez? On n'est pas pareil. Hein? Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Vous pouvez dire, c'est vrai que les réseaux sociaux, la différence entre les réseaux sociaux et la réalité, c'est ça que je ne fais pas comme ces femmes-là. Parce que ma fille fait des choses dans la réalité que ça poursuit. Ça poursuit. On doit regarder, parce que les femmes-là, elles ne savent pas. Soit ce sont elles qui bloquent la vie de leurs enfants en Europe avec leur système de fer. Parce que tout ce qu'elles font là, dès qu'elle va donner mon nom, on va commencer à fouiller. Ils vont regarder. Ça pèse sur mon enfant aussi. L'image de la maman doit refléter ce que l'enfant... Parce que c'est par rapport à l'image que les mamans... Ah, waouh, sa fille est comme ça, elle est belle, sa maman. Sa maman, elle parle bien. Sa fille aussi, elle est éduquée. Parce que ma fille, oui, quand ma fille parle, voilà, vous sentez que j'ai bien éduqué ma fille. Hein. Vous comprenez? On doit respecter nos enfants. On n'est pas ici là. Je suis à l'âge, je ne suis pas là pour vendre mon corps. Parce qu'un peu me dit, mais toi, sexy, c'est comme si vous m'insultez. Parce que si je vous envoie les photos de ma fille dans ma page, elle est toujours sexy. Ma fille n'est pas toujours sexy. Ma fille est toujours sexy, non? Quand je vois avec les talons, maman, les petits mini, je voulais que je me mette comme ma fille là. Non, en parlant, on peut parler en vrai. Non, ma fille est comme ça sexy. Elle est avec les petits trucs, le ventre est dehors, le nombril est dehors, les cuisses sont dehors, avec les bottions. Moi aussi, je dois faire la même chose. Je dois faire la même chose comme elle. Non, mais non. En ce moment, je dois me comporter comment? Parce que vous aimez trop vous arrêter. Je ne suis pas comme ces vieilles peaux dans la tête des petites filles. Hein. Vous croyez qu'à l'heure, si je dois me comporter comment? Dites-moi de vous, à moins de nous, les femmes ici. Donc, vous voulez que je mette un truc que je soulève, mais ça en l'air, je mets ça dehors. Vous voulez quoi? Donc, comme je suis comme ça, là, c'est pas normal, au fait. Donc, vous voulez que je monte mes cuisses, au fait. Donc, je vais passer mon temps à porter que des culottes. C'est-à-dire qu'on voit la fente de mes fesses, au fait. Parfois, je peux le faire même parce qu'il fait même chaud. Et même en Europe, peut-être, je peux même porter ma petite culotte, je tourne mon popotam, oui. Mais parfois, c'est quand tu fais, il fait même sage dans tout ça. Hein. Elles sont toujours là, peut-être tu n'es pas belle, tu n'es pas maquillée, vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi, dis donc. J'ai une peau aussi propre, je suis noire, moi. Moi, quand tu es à la salle hier, maman, tu sens une femme benguiste. Tu crois qu'une benguiste, c'est quoi? Quand elle était hier, les gens me regardent. Ils disent que quand elle passe là, tu sens que voilà une benguiste. Ma peau d'abord, ça dit, vu. Je suis noire, mais ma peau, ça dit. Je sais. Quand je sors là. Est-ce qu'un benguiste, pourquoi que je veux que je mette les talons? Ou bien mettre les perruques? Quand je sors, je ne mets même pas les perruques sur ma tête. C'est quand je suis ici à la maison. Mais quand je sors là, ah voilà, j'ai les mèches. J'ai crissé ma tête. J'ai fait des nattes. J'enlève parce qu'il fait chaud. Je ne mets pas mes lunettes si je sors. Je mets les babouches au pied. Je suis comme ça. Mais c'est quand je sors de la voiture même. C'est là où les gens regardent. Parce qu'ils savent toujours que c'est là. Ah, ma jolie Nicole. Bien sûr, tu sais qu'ici en Beng, je sais qu'en Beng, les femmes ne veulent pas être maman, mais c'est dommage. Surtout les Africaines. Hein. Parce que moi, beaucoup les filles m'appellent tata. Vous savez, je me suis plaint un jour. Beaucoup m'appellent tata. Hein. Oui. Ou bien ma mère, hein, beaucoup m'appellent tata dans les réseaux sociaux. Je suis très fière, je suis même honorée au fait. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens comprennent ça. Moi, je suis très honorée quand tu vois. Bien sûr, je suis la tata. C'est vrai. Je suis vraiment la tata. Parce qu'elles ont les mamans
qui ont mon âge, parce qu'elles ont des grandes soeurs ou bien des tantes qui ont mon âge. Attention, parce que quand on elle se fâche, même tata ne comprend pas. Oh, c'est moi, je peux t'accoucher. Non. Parce que si tu vois une fille de 30 ans m'appeler tata, c'est normal, c'est logique. Je peux être la petite soeur de sa maman. Ou bien égale à sa. Oui, petite soeur de sa maman. C'est normal. Ce n'est pas fausse. Parce que quand une fille m'appelle tata, je commence un peu à imaginer quel âge elle peut avoir. Elle n'est pas mon égale. Non. Et pour moi, c'est une fierté même derrière. Je suis même très contente au fait. C'est un respect. Ce n'est même pas que je prends ça bien au fait. Moi, je n'ai jamais mal pris. Ma tata Lydia. C'est beau au fait. C'est très beau. Oui. Mais maman, parce qu'il y a les jeunes qui m'appellent. Parce que tu vois un enfant qui a 25 ans, m'appelle maman. Même s'il a 30, il peut m'appeler maman. C'est normal parce que j'ai un enfant de 25 ans. C'est très logique. On peut dire que maman Lydia, c'est normal parce que je suis une maman. Si mon beau-fils peut-être a 27 ans ou bien 28 ans, hein, par exemple, il va m'appeler comment maman, non? S'il avait ma fille, il va m'appeler maman, c'est normal. C'est un signe de respect. Mais comme certaines femmes ici, là, je sais qu'en Europe, beaucoup les femmes n'aiment pas ça. Je sais qu'il y a certaines dans les réseaux sociaux, là, si tu appelles un cœur maman, elles vont se fâcher jusqu'à, vont te demander comment elles peuvent t'accoucher. Mais pourtant, bien sûr qu'elles ne peuvent pas vous accoucher, mais vous, elles peuvent être la grande, la petite soeur de votre maman ou de votre papa. Oui. Elle peut être la petite soeur de votre maman ou de votre papa. Parce que dans nos familles, souvent, vous voyez comment la petite soeur peut être la dernière, la Benjamin de la famille de ma maman. Mais si on vous dit que l'âge qu'elle a, et pourtant ma mère est la première. Regardez un peu un exemple. Ma mère est la première. Peut-être que dans une famille, vous voyez un peu nos tantes. Parfois, on a les tantes qui sont petites, qui ont presque même âge. Quand elles nous dépassent même parfois avec les, disons, les maximum 10 ans. Parfois, les tantes qui nous dépassent même avec 5 ans. Ça existe, non? Pourquoi? Parce que dans la famille, elle est peut-être la dernière ou il est le dernier. Mais c'est votre tonton, hein? Il est le dernier. Il est le dernier de la famille. Mais ta mère était la première ou ton père était le premier et ils vous ont accouché comme chez nous en Afrique. Ils accouchent les premiers, oui. Et comme ça, là, derrière peut-être votre père et votre mère, il y a peut-être 6 frères et sœurs. Et que votre mère ou votre père étaient les premiers qui ont accouché. Et en attendant, quand ils étaient très grands, leur maman ne faisait qu'accoucher. C'est-à-dire qu'on voit le premier déjà très âgé, le dernier, la maman a accouché le dernier très tard. Vous voyez un peu. Mais bien sûr, il est mon tonton, il est le tonton. Parce que mon oncle qui est le dernier, ma tante, elle est encore très jeune, mais moi je l'appelle maman. Parce que ma mère était. Lourde, ma mère a couché depuis. Elle avait même encore allé, sûrement à l'école. Hein? Oui, oui, oui. Oui, je crois qu'elle allait encore à l'école à l'époque. Là. Ma mère avait accouché. Rendez-vous compte. Moi, je l'appellerais comment? Je l'appelle maman. Ou tantine. Pourtant, quand on regarde, il n'y a pas trop de différence d'âge entre elle et moi. Vous voyez? Est-ce que si elle appelle ma mère, elle va se fâcher? Maman, elle va se fâcher? Non. Elle va prendre cela, c'est normal. Parce qu'elle est la petite soeur de ma mère. Si ma mère n'est plus là, elle est comme ma maman maintenant. Les Africains aiment trop faire comme si peut-être, quand on appelle tantine, tata, c'est quoi? Oui, quand on dit tata, elle n'a pas besoin de dire que tu ne peux pas m'accoucher, et je peux t'accoucher. Non. C'est parce que la personne qui appelle tata, vraiment, elle a les tantes qui ont presque l'âge là, même si tu la dépasses avec même 5 ans. Et effectivement, dans sa famille, elle a une tante qui a ton âge. Parce qu'elle n'appelle pas sa tante son égale, c'est sa tante. Elle respecte. Elles sont ici, là, elles ne veulent pas grandir. Elles sont toujours là comme des petites fiesses. Elles sont là, elles se gesticulent. Mais vraiment, elles n'ont même pas honte. Elles n'ont même pas honte. Moi, elles les regardent. À quel âge? Ah, ce qu'on va venir dire que Lydia, elle te dépasse, elle est plus belle que toi. Vous êtes encore à ce niveau-là. Lydia, quand j'étais encore, il fallait me parler ça quand j'avais encore 20 ans. On pouvait se mesurer. Les vieux rococo comme nous, on mesurait encore avec la fête de bouteille. Alors là, ici, quand tout le monde est déjà rococo jusqu'à ce que la peau est. Mais maman, avec les dos dans tout ça, enfin, on est encore en train de faire maximum pour ce. C'est-à-dire que quand d'autres, même l'on sans poids pour ressembler à quelque chose. Pardon, à l'époque, quand on avait encore 20 ans, parce que 20 ans, c'est l'âge là où maman, l'enfant, la fille est belle, sucrée. On a encore que gnang gnang. Mais déjà, à l'âge ici, quand tu les vois toutes là, les vieilles rococo comme moi là, c'est à l'âge ici qu'on vient me dire que oh, tu n'es pas belle comme l'autre, elle est plus belle que toi. Hé, hey, dégagez avec ça. Le corps est déjà fané, dos d'âne. Je dis que nous tous, on a les dos d'âne. Mm-hmm. Dos d'âne. C'est parce que vous les voyez bien là. On a les dos d'âne. Le ventre là, ce n'est plus plat. Mm-hmm. C'est déjà foissé. Ah, il dit que tout là.
froissé. C'est les habits, hein. C'est les habits qui cachent tout, hein. J'ai dit que comme vous aimez trop peur, qu'on dise qu'on nous fasse les photos, qu'on coupe ici, nous tous. Et je suis partante, hein. Parce que moi, j'assume ma part. Je suis partante. Vous allez voir ma part de dos. On fait même devant. Nous tous là, nous, les femmes de fesses, avec les pieds jusqu'aux cuisses, vous allez voir, hein, voilà. C'est là où vous allez dire que, hey, mais encore, vous acceptez tel que vous êtes. Parce qu'elles vont s'accepter tel qu'elles sont. Les habits cachent tout, non. J'ai mis une belle robe, j'ai mis un beau pantalon, ça me forme, j'ai mis des gaines, ça fait un genre. Mais quand on a pugluck. Ah ouais, ouais, ouais. On met le haut, on serre le cou. On met la ceinture, la tache, puis on met le dos, le machin, on fait qui. La vraie beauté d'une femme, qu'on enlève nos habits là. On ne se met pas en bikini. Parce que le bikini là, ça cache le ventre. On met ça, on met seulement les soutiens normaux, hein, en tissu. Nos seins pendent. On laisse les seins là, que ça pende et qu'on voit. Vous allez voir alors comment vrai, vrai. Nous tous, nous toutes là. Nous toutes les blogueuses là, les femmes là qui aiment se bagarrer tous les jours là, nous toutes, chut, même si elle est grosse, elle laisse ça vrai, vrai, naturel, ça pend. On ne juge pas. Ma part, je veux laisser ma part aussi, ça pend. Toutes là, elle laisse ça pas, ça pend. Si ça regarde en Garoundere, l'autre regarde à Garoua, tu laisses seulement. Parce que nous tous, on a les défauts. Oui. Oui, 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 oui. Parce que quand vous voyez sur les habits, c'est autre chose. Mais quand on laisse ça naturellement là, c'est là où tu dis que, hey, de n'emmerder plus les gens. Aka. Nous tous là, les fesses en carton. Tu vois même celle-là, maman? Les fesses en carton. Hein. Les fesses en carton. À l'âge. Hey. Vous croyez qu'à l'âge de 40 ans, quand les femmes ont dépassé 40 ans, elles vont encore ressembler à quoi? Hé, hey, Antiana. Elles vont encore ressembler à quoi? Même si on fait le sport, monsieur. Le corps là. Tu me fais même la chirurgie. Ça va que revenir. Hein. Tu fais la chirurgie, ça va revenir, maman. Dès que tu manges un peu. Un peu le namoumondo. Dès que tu manges un peu la sauce d'arachide, ça revient. Hein. Et y a même. Opère-toi, maman. C'est pour rien. Parce que ton corps dit, maintenant je lâche. Et ça en train de lâcher. Elle ne voit même pas qu'elle vieillisse. Hein. Quand je pense, quand je marche, je vois les femmes là, les mamans qui étaient jeunes là, moi je les regarde aujourd'hui. Je dis que, hey, moi je serai comme ça. Maintenant c'est comme ça que je pense. Et quand je vois une femme qui est plus âgée, je dis que, Anna, Agnès, moi je serai comme ça bientôt. Hein. Alors que vous pleurez, moi je suis en train de réfléchir que, Seigneur, 50 ans, 55 ans, 60 ans, j'aurai 60 ans, Agnès. Voici ce l'autre shot. Je fais lequel? Voilà mon gars, il est au balcon en haut là-bas. Il voulait voir le machin ou quoi où c'est. Il voulait aller voir. Là, on a coupé la lumière. Je vous dis que. Ah, Seigneur, mes chéris, je vous adore. Coucou ma jolie Nicole. Aka, vous riez. Marie-Laure, il est là. Riez alors. Moi, j'ai préparé ma retraite. Maintenant, je profite. Je profite maintenant. Est-ce que je suis sans clé? Parce que vous parlez de beauté, mets-toi sexy, comme si je sentais que j'étais dans la vie aux yeux. Je suis déjà celui-là, mon gars. Mon gars, la lumière est vieux. C'est un jeune gars. Ouais, c'est 50. Il avait 53 ans là. Quand lui, il est encore jeune. Ça fait qu'on fait partie de la même, presque même génération. J'assume ma part, je porte avec. C'est comme si vous avez parlé, comme si je vais encore chercher un gars de 30 ans. Qui? J'ai pris ma part, je marche avec. Je l'assume. Je prends ma part, j'assume. Mon homme, il a 53 ans. Voilà. Moi, je suis vieille. Il me dépasse seulement quelques années. Génération ambiante. Quelqu'un gars de 30 ans passe à côté de moi, je vais le mordre. Mes yeux, je ne vois plus des jeunes gars là, parce que c'est un perdant. Donc, voilà que j'ai assumé et j'ai accepté. Et voilà, et je vis en beauté. C'est tout. C'est tout. Moi, ma mère dit qu'au lit, j'ai soit avec un vieux. Et qui? Comment j'ai quel âge? J'ai 20 ans. C'est ma fille que si ma fille soit avec un homme de l'âge de mon homme là, que je vais dire, vous avez crié au scandale. Parce que là, waouh. Mais moi, là, ici, je vais dire que soit avec un homme de 53 ans, je vais dire que, oh, 53 ans, maman, le gars là, le type là, et qui?
C'est ma génération en bien. Si je sois avec un gars de 30, 35, quand même 40 ans, je ne suis pas dedans. Il dit que même 40 ans, je ne suis pas. Il vous dit que j'ai refusé. Il y a les femmes comme ça. Hein. Je me sentirais toujours petite un jour là. Un gars de 30 ans que je ne sais pas où avait la qualité là. Il y a les femmes, mes femmes ici dehors. Hein. Voilà. Soit tu cherches quelqu'un qui est responsable, tu parce que la vieillesse, mon Dieu. Je suis là que j'ai envie que bientôt je vais m'asseoir au Cameroun avec mon âge. Dès que Mathéo ça déjà, dans 6 ans là, moi je viens, je déménage, je vais m'asseoir ici au pays. Non. Je vous ai dit ça. C'est Mathéo qui me bloque. Hein. Dès qu'il aura 18 ans là, quand. Ma fille aura quel âge? Ma fille aura 30, plus de 30 ans quand il Mathéo. Oui, elle aura 31 ans. Oh. J'ai déjà préparé ma retraite. J'ai appris le bout. Je l'ai attaché lui, mais il me suit derrière. Hein. Maintenant, les femmes qui parlent beaucoup là, voilà. C'est ça la vraie valeur d'une femme jusqu'à la finition là. Parce que là, si tu t'attaches, tu t'engarambaderais ton homme. C'est comme ça. Parce que vraiment, que si je suis ici que, au Cameroun, regardez-moi. Je suis fier qu'il a, il a levé sa. Il fait chaud, il a levé son dit, au balcon là-bas. Il dit, moi je suis ici en bas. Hein. Après, il fait des tours, là, il passe. Je dis, oh, il chatte. C'est comme ça. Hein. Ça, le vieux goût de ça. Hein. Il passe. Oh, bonjour. Il passe, c'est pour que je le regarde. Il passe. Et qui? Je ne peux plus m'en passer de ça. Hein. Je n'ai pas pu m'en passer de la qualité ici. Oui, 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 oui. Quand j'arrive là, je suis coincé avec lui là. On cause. Parce que c'est mon ami. On va causer jusqu'à. Il ne m'ennuie pas. Je suis déjà bien préparé. La retraite est bien assurée. Et le beau, et on parle en Suisse là. Mon frère, le gars ici, les papiers. Je l'ai attaché. Hein? Il avait moi l'ambiance. Mm-hmm. Et l'ondolo, ce n'est pas seulement l'ondolo de la bouche. Allez voir là, en Suisse là-bas. Si vous me voyez plus chez moi là-bas, dans une autre maison, ça veut dire que c'est la maison que moi, le beau a déménagé chez lui. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit ça. Patientez, vous allez voir. Je ne vais pas taper le dicolo, vous allez seulement me voir dans une maison différente. C'est comme ça qu'on fait. Tu le prends. Je vais composer le bois. Je ne suis pas en train de parler, mon nom est ceci, mon gars, je suis avec lui. Ça fait 4 ans qu'on a ensemble, vraie relation, parce que c'était mon ami. Dieu a fait changer les choses. Et c'est fait qu'il est tombé amoureux de moi, je suis tombé aussi amoureux de lui. Hein. Amoureuse de lui. Maintenant, là, il est dans ma vie, mes soeurs. Vous croyez que je suis là comme certaines femmes là? Mes copines, je suis une femme intelligente. J'ai seulement porté, j'ai amené ici, non? Je ne suis pas en train de vendre que, oh, il est comme ça, oh, il est comme ça en argent. Je regarde ma part. Tout ce que je veux vous parler, veut dire que j'ai réussi à prendre le beau, j'ai amené au Cameroun. J'ai réussi à prendre le beau, on est en train de construire. J'ai réussi à prendre le beau, je l'ai attiré pour l'amener ici parce qu'il me suit derrière. Je suis venu, il a vu, je lui ai vendu quelque chose de bien. Je le protège. C'est ça qu'on appelle les vraies femmes intelligentes. Vous croyez que quoi? Quoi que je passe à l'Armimbou? Vous croyez que je passe à l'Armimbou? Elle n'est pas à l'Armimbou, hein. Maman, Léon s'est bien amusé, très bien, même le beau était très content. Parce que les petits trucs comme ça, là, on n'était pas obligé d'aller rester là avec les bois à champagne. Il a dit qu'on cherchait là où il y a la musique. Il aime ça. Il va bouger, les gens bougent, c'est bien, c'est très beau. C'est une autre, elle est portée pour aller dans une boîte de nuit, c'est cassé là-bas pour mettre le champagne devant qu'elle. Ah ça, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. On allait là où elle a, même on va encore aller le week-end prochain. Là où il y a encore la musique, on part, on s'amuse, on rentre. Tu comprends, non? Les trucs simples de la vie, et c'est très beau. Voilà. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Je vais parler, vous allez dans les trucs, je prends les champagnes. Moi, quand je parle dans les trucs, je prends jamais les champagnes. Je prends des cortèges. J'ai envie de goûter les cortèges que les gens la vendent, qui fabriquent, qui puissent. Autre chose, au fait. C'est ce que nous vivait que les cortèges hier. Voilà. On ne fait que des cocktails hier. Parce qu'il fallait goûter un peu différent. Même pas le champagne, il faut faire quoi avec le whisky. Je vais faire boire le whisky. Je bois. Moi, j'aime bien goûter. Et ce qui s'est passé, on prend un verre, ça finit. On prend même ça va parce que ça coûtait, je crois, 8 ou 10 000 francs.
tu bois comme ça deux. Et c'est l'alcool dedans, on goûtait. J'étais assaut comme un abeille hier quand ils rentraient. Ils faisaient des cortas là, on voulait goûter un peu. Ils ont plein de cortas qu'ils ont fait hier. Maintenant, on goûtait le beau goût de ceci, après, ils vivent ceci. Mon fils et tout, c'est là, sa copine, ils ont pris. On prenait 7 000, 8 000, 10 000. Après, on calcule, tu peux même payer facilement 50, 60 000, seulement les cortas que tu as bu. Et c'est bien. Là, tu t'es bien amusé. Au lieu de prendre une bouteille de champagne. Voilà un peu. Voilà, c'était bon, on a essayé un peu, il a essayé de goûter un peu, c'était pas mal. Bien sûr, Léa, ma chérie. Ma jolie, tu veux que je fasse un tour chez toi, c'est où? Chez toi, c'est où? Moi, je suis en train de vous renseigner ce qui est bien. Vous êtes là, vous croyez que si j'étais une vagabonde, vous allez dire que je suis vagabonde. Moi, je ne suis pas une femme vagabonde. Hein. Je veux toujours dire que si vous avez un homme qui est bien, serrez-le. Je ne suis pas une bordelle. Serrez vos regards. C'est tout. Non. Et si tu as une femme ambitieuse, si tu as un homme qui est ambitieux, ne fais pas, ne joue pas la bandite. Sois clair avec lui. Sois juste clair avec lui. Et c'est clair logique. Vous voyez, je suis clair avec le beau. C'est moi qui gagne. Pourquoi? Et puis, une relation comme ça, il ne peut pas avoir de copains à côté. Hmm? Je ne vais pas faire la pub. Mais c'est quoi ma jolie Nicole? Chez toi, c'est quoi, non, ma chérie? Tu ne vas pas faire la. C'est où, ma chérie? Envoie-moi la inbox. Envoie-moi la inbox. Comme je suis encore là, peut-être comme nous on sort tout le temps, là, je peux passer là-bas. Puisque mon fils, c'est à Yaoundé, mon fils connaît tous les. Il va m'amener. Quand on parle des vraies choses ici, les gens pensent que. Ou c'est quoi? Ou. Ils sont en train de me parler des habits, ils sont en train de me parler que Lydia. Mouf! Alors, si, parlez-moi de ma retraite. Alors, si, demandez que Lydia, tu vis comment au Cameroun? Comment tu t'en sors? Tu as vu avec le bout, il est encore revenu. Comment ça marche? Donne-moi ton idée, donne-moi un peu tes idées, vraiment. Tu t'en sors comment? Comme ça, parce que quand on est en étranger, quand on. C'est pas facile de revenir ici au Cameroun quand on est en étranger. Hein. Je vous dis, je suis une vraie lyonnaise. Il y a beaucoup qui. Comme, je ne suis pas comme vous, voyez, je me plains comme vous. Moi, je ne me plains pas. Beaucoup disent, oh, comme tu es au Cameroun, dit déjà, oh, le Cameroun, hey! C'est piano, piano, c'est easy, easy. Hein. Je suis né ici, je suis parti en étranger, je reviens, je suis en train de la poussière et la boue. Et personne, je ne m'ennuie pas, je suis revenu avec le bon nom. Vous croyez que je me fais la tête? Je vais faire un tour avec Issa. Est-ce que Issa m'avait amené? Nicole ne m'avait pas apporté. Je devais faire un tour avec lui, mais je ne suis pas arrivé finalement. Dis-moi seulement inbox l'endroit, même j'irai. Je n'étais pas là avec Issa, j'étais rentré la dernière fois. Là, parce que je disais que je courais derrière le terrain, j'étais fatigué, je suis rentré sans Alice. Et lui aussi, après lui aussi, il travaillait, tout ça. Si tu me dis, moi, j'y vais partir. Je n'étais pas parti, ma chérie. Envoie, je vais aller. J'ai la voiture avec le beau. Ok, dis-moi le quartier. J'ai même le navigateur, ça m'amène. J'étais rentré. Ah. Est-ce que j'ai encore besoin de Issa? Je pars moi-même. Bien sûr. J'étais prise, Nicole, ma jolie, j'étais vraiment prise. Je te jure. Parce que tu sais, quand tu es. Maintenant, je suis bien. Il n'y a pas de souci là. Je suis avec le bon, on va sortir même tout à l'heure là. Nous, on fait après, nous, on démarre la voiture, on sort. Mais bien sûr, mes cadeaux. Vous le voyez, vous voyez, non? Non, Junior, je ne suis pas encore définitivement installé. J'ai fini Junior. Ok, Junior est l'eau, non? Je n'ai pas encore fini, c'est les vacances. Hein. Moi, je viens. Je vais finir, tu vois, vous allez voir, non? Je n'ai pas encore fini. Il faut pour venir s'installer, je finis d'abord tout. Je n'ai pas encore. Je suis pressé. Je viens parce que j'ai fait des trucs. Je me prépare. Je ne suis pas comme c'était un bengui. Moi, je me prépare, je n'ai pas peur. Le pays ne m'empêche pas. Depuis que je suis au Cameroun, il n'y a aucune autorité qui m'empêche de vivre. Hein. Moi, je suis dehors, hein, même les policiers. Hein. Je suis une fille du Cameroun. Hein. Je dis que même les policiers, quand je parle, comment? Ils se calment. Ce sont les êtres humains. Parce qu'ils sentent que l'ambiguïté, la maman, même le commissaire, l'autre fois, on s'était arrêté. Moi, je suis à étudier.
des carrefours avant d'arriver à Longkak là. Mais j'étais dans le bureau de commerce. Quand il m'a crié dessus, il m'a dit oh, que ferme ta gueule, ferme ta bouche, la femme-ci. Mais après, on est devenus des bons amis. Inspecteur, j'ai le numéro 1. Ah, ok, la femme-ci, prochainement, on va t'attraper même là. Je suis une benguiste, mais je ne peux pas. Je dis que, monsieur le commissaire, je suis une fille du pays. Après, la femme me dit, c'est bien qu'on venait investir, vraiment, on est content. Eh, qui est ça? Je ne suis pas convoi. Hein. Moi, ça ne me décourage pas. Je ne suis pas arrogante. Je ne parle pas comme les benguistes. Je suis qu'elle, maman. Après, il m'a dit, tu es une étonne. Tu es une fille étonne. Je dis, pourquoi? Il me dit, okay. Quand les policiers m'attrapent, je ne mens pas. Hein. Demandez mon fils. Hein. Je vous jure, je n'ai jamais été froissé au Cameroun par un flic. Hein. Oui. La façon que je ferme d'abord le policier remet. L'autre jour, quand je traversais là, j'étais ici à étudier, on a marché avec le beau, on se baladait là. On a traversé la route, voilà le policier qui vient, il voit le beau, il dit arrêtez-vous. Je me suis pas arrêté, j'ai dit traversons. Il vient, il prend le passeport du vieux, j'ai dit donne ton passeport. Il prend le passeport du vieux. J'ai dit le vieux, oui, mon chéri. Après, il prend son passeport, il prend. J'ai dit, oh, il dit, vous venez d'où? Alors qu'il a le passeport rouge entre les mains. Il voit bien le passeport rouge, mais il va encore déranger mon homme. J'ai dit que, oh, j'ai dit que c'est quelle façon ça? Il est terroriste. Il dit que le type a dit, oh, pardon, reprends son passeport. Ils ont remis son passeport. Hein. Il a remis, il dit, qu'il prend alors. J'ai dit, on ne parle pas comme ça, mon mari. Le policier a remis ça. Il a remis rapidement. Il dit, hé, hey, madame. J'ai dit, non. Son passeport, là, vous voyez son nom, vous le posez encore la question. Il a une interrogation ici. Il dit que les gens m'ont dit au carrefour. Il a dit, eh, que prends alors, prends, pardon. Oui, j'ai déjà arraché, il dit que donnez-moi ça. Mais il dit, ah, j'ai dit quand même, vous, là, est-ce que vous pouvez poser une question à votre femme? Si on pose une question à votre femme, vous allez content, monsieur l'agent. Il m'a dit, ah, vous avez raison. Il dit, attendez, c'est mon mari, on ne lui pose pas la question, il n'est pas un terroriste, il n'est pas un vandale. Moi, je parle à sa place. Il a remis le passeport là, rapidement. Il m'a dit, prends au cocolo. Tout le monde me regarde au carrefour. J'ai dit que je vais crier au carrefour ici, que tout le monde regarde. Je suis comme ça. C'est la même chose que le commissaire m'a dit. Il m'a crié, oh, tu ne cries pas. Maman, qui? Quand j'entre, le commissaire était assis, le commandant a dit, hé, hé, ferme ta bouche. Oh, tu entres ici. J'ai dit que, il s'est assis là. Oh, quelle est la femme qui entre dans un bureau et parle fort. Même quand monsieur le commissaire, je suis moi. Il dit que, hé, je n'ai pas laissé parler. Est-ce que je ne m'a pas encore vu au Cameroun ici? Hein? Ok. À la fin, il m'a dit voilà mon numéro, toi la femme-ci. C'est comme ça, toi la femme-ci. Après, ils m'ont dit est-ce que tu laisses ton mari respirer? Quand je. Il dit que le blanc là, moi je suis avec toi. Il dit que oui, il est attaché. Il va se comporter bien avec moi là. Je ne suis pas comme vous. C'est vous qui arrivez, quand on vous fait comme ça, vous commencez à pleurer. C'est ça le système, hein. Si je pleure, je peux commencer à dire que oh, le pays, si mon Dieu, quand je viens, oh, ma mère, Elsa, tu prends mon papier, même pour mon homme, mon ami. Je suis ici à Toudi. On me connaît déjà, tous les policiers de Toudi, jusqu'à Longa qui me connaissent déjà. Ah oui, j'ai dû remarquer bien ma voiture. Regardez bien, la plaque là. Je ne veux pas quand je repasse, parce que lui, il va aller voir sa tranche ici tout le temps là. Parce que le fait que vous le stoppez tout le temps, vous allez voir. J'ai dit que nous, on habite ici et c'est sa cranche que vous allez voir. Donc, remarquez le numéro de la voiture et remarquez bien cette voiture-ci. Je ne veux plus revenir encore. Vous faites toujours que pri. Oui. Et quand l'autre policier me dit que ah, c'est le beau, ah, en tout cas, c'est elle, c'est la famille, laissez-la. Elle n'est pas passée. Hein. C'est comme ça. Le Cameroun, c'est ça. Le Cameroun, c'est que quand les gens te sissia, si tu laisses qu'on te sissia, tu vas fuir. C'est le sissia qui marche au pays. Mais moi, on ne me sissia pas. Ah oui. Commandant, commissaire, inspecteur. Je suis inspecteur. Il dit que j'ai vu. Ah, je suis monsieur le commissaire. Il dit, je sais. J'ai vu. Cent mille. Non, moi, je ne peux pas, maman. Jamais, ma chérie. Moi, me gratter mon argent, jamais. Moi, on ne me gratte pas l'argent comme ça. Mais je sais que parfois, d'autres sont là comme ça, ils ont besoin d'un peu. Parce qu'après, il me dit que ma soeur, vraiment, ton frère est là. Je sais. Après, il me dit, maintenant, je vais commencer à changer. Je vais changer maintenant les 500. Parce que parfois, comme s'il demande un peu, moi, je comprends. Il dit que mais mon frère, monsieur l'agent, il faut parler quand même que je comprends. Moi, c'est comme ça, c'est moi qui casse. Il dit que monsieur l'agent, il comprend votre travail. Vous avez un travail très dur, mais parle doucement. Je prends 500, je remets ou 1000 francs. Moi, jamais, hein.
Il y a souvent, je remets comme ça, je dis que ouais, petit, je dis que je n'aime d'abord, je n'ai rien. Je reprends. Je dis que non, je dis c'est pour enlever la chaleur sur le corps. Moi, tu es déjà coincé. Quand il donne là, tu es coincé, non. Je dis, remets-moi alors. Moi, on ne m'a jamais pris la langue comme ça. Non, non, non. Moi, on ne m'a jamais pris 100 000 francs. Que tu pars à Kribi. Moi, on m'a fait, moi, on nous avait tapé quand on partait à Douala, tout ça. Non. Non, non. Non. Moi, je parle après, je remets les papiers. Je me défends. Parce que ce sont eux qui peuvent vous empêcher. Et puis, tu sais, un peu, des choses comme ça, quand vous avez vos hommes ici, hein, tous les hommes étrangers là, hein, je vais vous donner une stratégie. Je vais vous donner une très très bonne stratégie qui marche. Parce que depuis que j'avais le bois l'année passée, c'est la première fois qu'il arrivait, mais vraiment on a reçu trop de coups en route. Quand on quittait pour Douala, Yaoundé, quoi. Parce que les policiers, je remarque quand ils voient les blancs, ils veulent montrer un peu leurs compétences. Vous comprenez un peu. Et moi, je suis très vigilant, je regarde. Et moi, le système que je fais, moi, je n'ai jamais grondé devant mon homme. Quand on nous stoppe, je laisse mon homme dans la voiture, c'est ce qu'il faut faire. Je laisse mon homme dans la voiture, je pars avec le policier. Jamais le policier, je suis le policier, mais mon homme n'est jamais au courant. Tous ces mythes, même si je crie pendant longtemps, il n'est pas au courant. Il est assis dans la voiture, il attend. Ce qui fait qu'il n'est jamais au courant. C'est la dernière fois ici, là, quand on traversait là, au carrefour, là, et tout dit là, qu'un policier nous a vu, j'ai traversé de l'autre côté avec lui. Il a un peu venu, oh monsieur, madame, arrêtez-vous. J'ai crié, c'est la première. Il m'a vu, j'ai crié. Il a remonté, il est resté comme ça, il me regardait. J'ai dit, oh. C'est quoi? On a stoppé comme des brigands. Et il a vu le policier, a remis les papiers, j'ai arraché entre ses mains. C'est là mon homme, c'est là juste qu'il a dit que, oh, Madame Lyon, il m'a appelé que Madame Lyon, parce que je ne blague pas. Mais dans le cas, je ne fais pas ce qu'il sache. Maman, mais j'ai dit, tu étais dans quelle situation pour qu'il te prenne 100 000 francs? Tu as été, moi, je peux dire que tu as été mvoudé. 100 000 francs. Massa. 100 000 francs, 15 000 ou 10 000, tu pouvais donner. Hein. Ils t'ont vraiment pris l'argent. Hein. Je crois qu'ils ont arrêté le travail le jour là. 100 000. Hey, ma soeur. Parce que tu commences comme ça, tu vas t'en sortir. Hein? Tu donnes 100 000 francs à les policiers là, tu t'en sors, ma cour. Ma chérie. Hey. Le jour-là, quand tu as donné, ils ont arrêté le travail, ils ont du coup démarré la voiture, ils sont partis. Je le connais, non? Là, c'est un gros argent. Ils sont partagés, ils sont partis. Ils ont dit que l'Angala, on a chopé les deux. Maman, ça n'a pas dans les poches de l'État. Regarde, le système est que quand vous donnez dans les mains, ne leur donnez jamais une grosse somme parce que ça, ce n'est pas dans les caisses de l'État. Ce n'est pas une controversion entre les mains. Parfois, quand vous payez comme ça, ils déchirent la controversion. Donc, ce qui est sûr, ne proposez jamais, même si vous parlez même 50, 70 000, vous commencez même par dire, voilà, chef, j'ai 5 000 francs ici. C'est simple. Parce qu'au pays, là, les gens, vous n'êtes pas les premiers, les deuxièmes, parce qu'ils regardent. Si tu es. Moi, en allant à Kribi, c'est ce qu'ils m'ont. Ils m'ont pris les papiers de mon homme. Hein. Voilà. Ils m'ont pris les papiers. Ils m'ont arraché les papiers. Voilà. On était même, c'était la nuit, c'était la soirée. Il prend les papiers. Maintenant, il commence à marcher. Il dit qu'il faut qu'il descende, qu'il nous suive. Je dis qu'il ne descend pas. Voilà. J'ai dit à mon homme, serre là-bas, tu gardes. Ils ont pris le passeport de mon homme. Bien sûr qu'on voulait aller à Kribi, on était pressé, mais ça n'empêche. J'ai tout mon temps. Il était assis, j'ai un homme qui est, il a tout son temps. J'ai suivi le policier. Je lui ai posé des questions. Non, 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 non. Ils t'ont gratté, qu'elle n'a pas la carte d'identité comment? Tu ne peux pas avoir le passeport, ça va aider. D'abord, même surtout, quand vous voulez voyager, portez tous vos trucs, vous partez avec. Portez tous vos choses, vous partez avec. C'est mieux, hein? Portez tout, mettez dans les sacs. Parce que le bois, il a son sac, on met tout dedans. Même le carnet de vaccination, on a mis dedans. La voiture en jour, on a fait la visite technique en jour. On est en jour, la voiture en jour. S'il prend les papiers pour une raison autre, je me fâche. Vous comprenez? Je vais dire que c'est encore. Moi, c'est comme ça, il dit que encore un autre. Voilà le mot qu'il dit, voilà encore un autre. Il dit un autre quoi. Il dit que vous êtes pareil. Mais jamais payé jusqu'à 100 000 francs, non. Il dit qu'il a pris les papiers du bois. Hein. Comme c'était le Suisse. Quand il va souvent, quand c'est les papiers européens, les gars marchent encore, ils parlent lui. Lydia. Et Agnès, moi, me fais ça au pays ici. Il dit ceci, ho-ha. Il prend les papiers de mon homme, hein. Parce que c'est que moi, il dit qu'il faut qu'il vienne. J'ai dit qu'il ne vient pas. L'autre, tu peux rester dans la voiture. J'ai dit qu'il ne vient pas.
Je l'ai suivi dans les maisons. Maintenant, j'arrive, il prend les papiers. Et le pays ici. Il commence à bavarder. J'ai dit que, ah, bon, je le regarde d'abord, je l'observe, il parle, il parle. J'ai dit, maintenant, vous prenez le papier pourquoi? Vous prenez son passeport maintenant pour quelle raison? J'ai dit, maintenant, attendez, attendons, parlons, vous prenez le passeport rouge ici maintenant pourquoi? Il était en vitesse, non. Il était, non. Il dit, il n'a pas le carnet de vaccination. C'est là, il... Il dit que donc, le visa n'est plus important, c'est le carnet de vaccination qui est important. Vous êtes la, j'ai après demandé, vous êtes la police des frontières? Il me dit, oh madame, c'est pas vous. Il dit que non. Monsieur l'agent, je pose juste une question. Vous êtes la police des frontières ou vous êtes la police de l'autoroute? Il dit, oh madame, vous parlez beaucoup. Ici, on... Il dit que non, je pose juste une question très simple à répondre, monsieur. Je ne suis pas en prison, je suis une citoyenne, je suis, même avant d'être en Europe, je suis quand même une Camerounaise d'origine. Je pose la question, on est ici, vous êtes policier des migrations, vous êtes la police des migrations, ou même vous êtes la police des frontières, ou vous êtes la police de la route à l'intérieur. J'ai posé 3 fois la question, il a dit, mais je suis, j'ai dit, voilà, pourquoi vous demandez le carnet de vaccination? Vous croyez que ici à l'aéroport de Simalène, si mon homme n'avait pas le carnet de vaccination, vous croyez qu'on n'aurait pas fait la vaccination obligatoirement à l'aéroport? Et d'ailleurs, vous parlez de la fièvre jaune, vous croyez qu'il peut prendre le vol pour commencer à avoir le carnet de la fièvre jaune? Question. Maman, le policier me regarde. Ils sont jamais regardés. J'ai dit non, question. Mais vous êtes ici, ce qui vous devait vous intéresser, c'est les papiers de la voiture, si on était en vive allure, si on était dans l'état de priorité, s'il a fait un mauvais geste, peut-être il a cogné quelqu'un, s'il a, je ne sais pas, ça, vous êtes là pour trouver qu'il est moins de vitesse, que les papiers sont en règle, et qu'il y a la visite, des visites techniques, et qu'il a un permis international de conduire. Mais je vois que parmi tout ça, il a tout ça. Mais ce qui vous intrigue le plus, c'est le carnet de vaccination, monsieur. Alors, remettez-moi les papiers, je m'en vais. Il me dit, comme c'est vous qui nous demandez, c'est vous qui nous dites comment vous travaillez, venez arracher. J'ai dit, je n'arrache pas. J'ai relu son nom, j'ai dit, monsieur, je ne sais pas quel grade vous avez, mais monsieur, tant, je n'arrache pas les papiers. Remettez-moi vous-même comme vous avez repéré. Il met les papiers, il dit, viens arracher. J'ai dit, je n'arrache pas. Je connais. Parce que si j'arrache, vous allez dire que oh, le comportement de violence contre un policier, je vous connais assez, hein. Je suis un bangando. J'ai dit ça. Il dit que hein? Il dit, je suis un bangando, je connais votre système. Vous n'allez rien me dire. Il n'a rien fait. Il n'a pas filé en vitesse. Il est au volant. C'est parce que c'est un blanc. Mais je sais ce que c'est. Vous prenez les papiers. Vous n'êtes pas la police des frontières. Vous demandez la carte. Est-ce que ici, quand j'appelle mon frère, parce que j'ai mon frère qui est dans l'armée, est-ce que j'appelle mon frère pour demander si ça, on a demandé ça dans le Cameroun quand on circule? Parce que sans vous mentir, nous sommes quittés de Yaoundé jusqu'à les commissaires, les commandants. Ils ont fait comme ça. Ils ont contrôlé. Mais vous n'avez pas de grade. Mais votre chef l'a assis là-bas. J'ai dit ça. J'ai dit que vous voulez que j'appelle l'Empa Yaoundé pour demander si vraiment vous devez nous attraper juste pour le carnet de vaccination. Maman, vous me connaissez? Moi, je parle. Hein? J'ai dit que oui, j'ai mon frère dans la main. Je l'appelle tout de suite. Hein? Pour qu'il confirme, c'est votre collègue, qu'il me confirme que oui, on a tort. Là, vous allez nous enfermer. Après, il dit, oh madame, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vous qui allez me dire comment je vais travailler. Il dit que je ne suis pas en train de vous dire que vous allez travailler ou bien ou pas. Mes frères. Après, je vois une femme policière qui arrive, elle tourne ses fesses. Elle me regarde, elle me déshabille. Je lui dis, là, regarde aussi comme ça, j'ai fait encore les lunettes comme ça. Elle a vu. Parce qu'elle vient d'un peu une façon de t'effrayer, elle s'assoit en face. Elle regarde, elle me regarde. J'ai seulement dit que, ah, Kassa, je connais la qualité là. Après, il dit que ma soeur, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est moi qui ai demandé que ma soeur, madame policier, vous me regardez un genre. J'ai fait quoi? Elle dit, mais non, j'ai. Il dit que oui. Nous sommes, ça fait déjà plus de 30 minutes, on bavarde ici. Hein. Monsieur, vous me mettez les papiers, je m'en vais ou je vous laisse avec. Et j'appelle mon frère, il vient la récupérer. Parce que sans vous mentir, j'ai aussi un frère, les frères dans l'armée. Hein. J'appelle tout de suite là. Il va venir, il va vous appeler. Je sais, il est plus gradé que vous. Il dit, ah non, ce n'est pas ça. Après, j'ai dit, bon, si vous voulez quelque chose, dites-moi. Je sais ce que vous voulez. Moi, je suis un casse-pied. Il me dit, oh, vraiment, ma soeur, vraiment, je comprends. Tu sais, quand on fait comme ça, c'est juste pour avoir un petit quelque chose. Il dit, mais ce n'est pas de ma faute. Hein.
Je vous jure, moi, je suis comme ça. Moi, je parle. Hein. Je dis, non, mais c'est pas, monsieur l'agent, c'est pas ma faute. Si vous êtes en route, après, il me dit, regardez comment on dort. C'est là comment il me dit. Hein. Il dit, non, ma soeur, ce n'est pas que nous, on voulait simplement dire. Il dit que non, ce comportement devant un touriste qui vient au Cameroun, c'est vous qui empêchez les touristes de venir au Cameroun. Parce que ça, je le comprends. Parce que vous prenez son passeport. Son passeport, c'est tout pour lui. Il y a tout dedans, son visa. C'est ça qu'on regarde d'abord. Parce que si le Cameroun l'accorde le visa, c'est parce qu'il en règle. Vous comprenez? Nous, on n'a pas pris le visa ici. C'est le Cameroun, c'est-à-dire qu'on a déposé les papiers, ils ont vérifié avant de mettre le visa à cet homme-là. Pour l'encourager de venir dans ce pays, parce que c'est un touriste. Mais quand vous venez prendre, vous venez un peu jouer le commando devant lui. Hé, hey, monsieur le policier, on n'a rien ici. Hein? Ils sont bien chez eux. Hein? Ce sont des gens qui sont bien. Donc, tout ce qu'on fait, s'il ne revient plus, il peut aller dans un autre pays, jeter son argent. S'il voulait investir, il peut aller investir ailleurs. Donc, vous n'avez pas empêché les gens. C'est vous qui empêchez les gens de venir investir dans ce pays-ci. Et puis, moi, ta soeur, je n'ai pas porté ma part de blanc que j'apporte. C'est vous qui voulez encore me casser les pieds. C'est comment vous voulez me gâter mon maïs? J'ai changé le temps. Il me dit que non, 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 non. J'ai dit que oui, c'est vous qui voulez gâter ma chose. J'apporte ma part pour qu'il vienne investir. Vous voulez me casser les pieds? C'est vous qui gâtez. Il me dit que non, ma soeur, ce n'est pas ça. Vraiment, excusez-nous. Regarde, non, on dort ici. Regarde le lit qu'on dort. Depuis, nous, ça fait depuis une semaine, on est en route ici. Hein. La situation de la route, c'est grave pour nous. Hein. Quand on fait comme ça, vraiment, quand on trouve les soeurs comme vous, nous, on fait un peu sur le sicia. Pourquoi vous nous donnez un peu quelque chose? Il dit que, mais attendez. Vous pouviez m'appeler doucement derrière. Je suis prête à vous donner quelque chose. Hein. Je suis prête. Je prends le téléphone. Il dit non, vous ne filmez pas. Il dit, ne filmez pas. Il me dit, je regarde pour mon téléphone. Je ne suis pas en prison. Je n'ai fait aucun délai pour qu'on m'interdise d'avoir mon téléphone entre les mains. Je ne filme pas, mais je suis en train de causer avec vous. J'ai manipulé mon téléphone, mais je ne filme pas. Je vous rassure, je ne filme pas. Je ne vous filme pas. Vous ne me faites rien. Parce que si vous m'agressez, je vais vous filmer. Mais je ne vous filme pas. Ouais, un peu. C'est fini comme ça. On est fini dans les bons termes. Hein. Il me dit, regarde alors ma soeur, vraiment on a trois ici, plus le patron, le chef dehors. J'ai dit que c'est mon problème. J'ai dit appelez votre ministre. Hein, parce que vous parlez comme c'est moi qui vous envoie en route. Mon papa, après il dit que monsieur l'agent, si c'est fort, démissionnez le travail ici. Il ment pas. Il dit que si c'est fort, hein, démissionnez papa. On n'est pas obligé. Il dit que mon démission va aller où? Il dit que alors si vous vous acceptez, c'est ce que vous voulez, non? Si votre salaire n'est pas bon, les conditions, appelez au ministre de l'armée. Vous avez vos supérieurs. Allez vous plaindre là-bas. Parce que quand vous ne partez, vous avez peur de vous plaindre à vos supérieurs. Vous venez déranger la population, vous venez déranger les touristes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et d'ailleurs, si je veux payer une contravention, je devais aller, je crois que c'est au trésor public, non? Je crois que c'est au trésor. Vous me donnez ma facture, je m'en vais au trésor public payer ça. Ce n'est pas vous. Il me dit que madame, oukou, ma soeur, tu bavardes beaucoup, hein? Ma soeur, vraiment, nous ne rencontrons déjà les gens comme vous, comme ça, ma soeur. Quand tu amènes le blanc comme ça, nous, on va manger. Il dit non, vous ne mangez pas derrière nous. Je n'aime pas mon blanc pour vous manger. Vous parlez quoi comme ça? Vous savez que je suis allé le ramasser quelque part pour venir le faire dépouiller au Cameroun, mais qu'est-ce que vous parlez là? Vous parlez, on dirait que je suis allé chercher quelqu'un pour vous l'amener pour que vous le dépouilliez. Je vous dis, c'est mon homme. Est-ce que vous comprenez? Personne ne mange son argent, c'est moi qui mange son argent. Je n'amène pas le blanc ici pour faire comme certaines personnes là. Non. Interdiction. Si vous voulez parler, c'est moi qui parle avec vous, mais lui là, jamais. Il me dit non, vraiment, ok, on a compris. Les passeports, voilà, voilà, je vous remets votre passeport, hein, vraiment. On a combien? 1, 2, 3, 4, et qui? J'ai dit, ah bon? Et alors, vous voulez quoi? Que je dois vous compter 1, 2, je vous paye un salaire, vous 1, 2, 3, 4. Il dit, ça, il dit donc c'est votre chef qui est dehors là-bas. Hein. Hein, il n'entre même pas. Hein. Il est là, il attend. Hein. Ah, 1, 2, 3, 4. Donc, je dois donner combien? Disons que c'est Didi, mais je vous paye pourquoi? Pour quelle raison? On a fait quoi? J'ai dit que papa, pardon, si tu veux parler pour toi, parle pour toi. Hein. Si j'ai quelque chose, je vous m'emporte mon œil, dit que tu sais, moi j'ai un petit ici, quelque chose, et voilà ça. Vous pouvez vous donner même 100 francs. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne fais aucun délit, je n'ai aucun problème. Moi, c'est mon argent, je n'ai rien. J'ai déposé l'argent que j'ai pris, j'ai dit que voilà ça. Hein. Prends, ou je récupère. Il a pris. Il a dit, mais les autres, alors on fait comment? Il dit que les autres, moi, ça ne me regarde pas. Il dit que je reviens. Après, quand on a crié, on a fait quelque chose, on va repasser encore. Et quand on est repassé, il était encore en route. Quand on est passé, maintenant il fait la voiture comme ça, puis là, il dit encore toi. Il me dit, oh, quand on passe, passe. Il dit, ah, c'est simple. Moi, on ne me prend pas l'argent comme ça.
Maintenant, attends, je vais voir, je vais mettre les 500 dans mon sac. Je sais. Mais me prendre 100 000 francs, 50 000 francs, 60 000 francs. Ah, ça va, je n'ai pas l'argent. Hein. M'a appelé seulement les 500. Hein. Comme je donne 500 là, parfois, il dit que c'est pour ta bien. Il dit que okay, la femme, si tu es trop dure. J'ai dit, comme vous voyez le blanc là, il n'a rien. Il ne parle pas français, il n'a rien. C'est moi qui porte l'argent ici. Oui. C'est le mot qui dit que lui là, il n'entend pas français et c'est moi qui porte l'argent. M'a appelé qui Joe. C'est comme ça qu'il dit que je n'ai rien. Oh, vraiment. Ce qu'on a fait, on a... Vraiment, vous avez même que ça vous juger. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous êtes en règle, vous avez la voiture en règle, tout en règle. Mais quelqu'un vient comme ça pour vous emmerder, juste pour prendre des papiers, pour vous sortir une histoire morbide. Au lieu de dire que ma soeur, j'ai faim, donne-moi même 1 000 francs, j'achète un plat de nourriture, il va t'emmerder. Mais dites-le clairement que vous m'emmerdez. Parce que quand vous êtes en règle, vous... Non. Je n'ai pas passé au camion, je suis en règle, comme ma mère. Non. On a tout. La voiture est en règle, mon ami. Et qui est... Vous venez ici là, on vous prend l'argent, vous pleurez, Kiza, moi. On te prend 100 000 francs. 100 000. Même si tu étais pressé. Même si tu es pressé, pas. Même si je n'ai pas à crédit, je suis pressé. J'ai tout mon temps. Dans son pays, on a tout son temps. Voilà. Il prend tes papiers, tu te sors de la voiture, tu peux aussi t'asseoir avec lui. Moi, c'est comme ça, j'ai tout mon temps. Hein. Quand il roule là, il est mon temps. Hein. Ne prenez pas mes papiers, quoi que je suis pressé. Je ne suis pas pressé. Parce que vous montrez que vous êtes pressé. Moi, quand vous prenez mes papiers, je sors de la voiture, je vous suis. Je recule au banc, je m'assois. Je vous regarde. Et je peux faire quand même 2 minutes, je ne parle pas. Je ne suis pas moi pressé. Au pays, là, ne fait pas ça que vous montrez que vous êtes pressé. Je prends. Je vous. Ah, je vous manque pas. Je suis allé ici, là, chez les flics, là. Ils m'ont pris dans leur poste. Maman, j'ai fait 30 minutes assise là-bas dedans. Oui. J'ai fait 30 minutes. Ok. Parce que le fait que moi, je suis assis, je ne dis rien, ça les décourage. Il parle, je réponds. Il parle, je crie. Il parle, je suis dit, hey, qui est pendant, il dit que, mais toi, tu es ici depuis, tu parles. Je dis, ah, car je suis en prison. Quand on parle ici, c'est le manque de respect. Après, je dis que toi qui me manques de respect, toi qui es policier là, toi, tu me manques de respect. Tu as tenu ici là. Parce que c'est moi qui fais, je vise souvent, je dis que toi là, toi, tu as tenu ici là, c'est pour protéger le peuple. Vous, tu as tenu ici, c'est pour faire quoi avec? Il y avait un là que je signais sur lui. Hein. Le commissaire dit que, mais madame, j'ai dit que, ah, c'est lui. C'est à cause de lui que je suis ici là. Je le déteste vrai. Toi, je te déteste. Et j'ai dit ça, toi qui assis là, je te déteste jusqu'à. Ce que je repasse encore ici à Toudji au Carrefour là. Comme tu sais, tu reviens encore me chercher. Ça, je veux sortir là. Toi, moi, on va courir ici à Toudji. Mais le commissaire dit que, mais madame, j'ai dit que oui, lui là. La façon insolente qu'il a pris les papiers. Mais, un policier. Il me dit, mais quand vous parlez comme ça chez vous en Suisse, il dit que chez nous en Suisse, les policiers sont gentils. Hein. Même si tu as fait un délit, le policier vient te dire, bonjour madame, il se présente et il demande vos papiers. Mais la façon que lui l'a fait, il a pris les papiers, il s'est tourné là, hein, comme, un commando. Il n'a même pas dit bonjour à mon monsieur, à mon homme. Hein. Ah non, 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 non. Mais nous, en Europe, ils ont les policiers aussi. Hein. Mais le policier devait se comporter, il se présente. Je suis monsieur. Présenter les papiers et puis vous dire le délit qu'on a fait et puis vous dire garez-vous, suivez-nous, garez-vous à côté. En plein milieu de la route, il prend les papiers, il part. Après, il venait mettre la voiture en fourrier. C'est comme ça qu'il a parlé. Mettre la voiture en fourrier, qu'on a fait quoi? Il dit la voiture d'aller s'en fourrier ici, machin, vous devez partir d'abord, revenir. Je dis ok. C'est comme ça. Quand c'était avec les blancs là, il retire les papiers, il part. Il dit que c'est-à-dire que c'est vous effrayé. Je dis que ah, c'est ce que vous voulez faire. D'abord, j'ai dit à mon chéri que va garer là-bas. Va garer en haut là-bas. Il est parti garer. Les policiers, c'est même mes regards. Je viens entrer. Il dit il est où? Je dis qu'il est où? Comment? Les papiers là, c'est son nom, c'est mon nom qui est là. Il vient faire quoi? Je suis resté 30 minutes assis dedans. Là. Mon gars aussi, il était assis dans la voiture. Il est conscient, patient. On va babader. Je commence à crier. On crie. Je crie. Crie. Je crie. Je crie. Je crie. Mais j'ai dit que Tanya Bosco, tu ne comprends pas. Est-ce que j'ai payé? Je n'ai pas payé. Ce qu'il demande le choco, ce n'est plus la question des voitures. Attention. Moi, je ne paye pas parce que ma voiture est en règle. Je n'ai pas payé parce que ma voiture, les papiers sont en règle. Attention. Ce n'est pas question que ta voiture. Attention. C'est la famine. Oui. Parce que moi, ils peuvent t'avoir. Parce que si les papiers sont en règle, franchement, tu vas payer 100 000 alors que tes papiers sont en règle. Moi, je ne peux pas faire ça au pays. Jamais. 100 000 francs. Ma voiture, les papiers, visite technique, ma voiture, la carte grise.
L'assurance, j'ai l'assurance, j'ai la vignette. Hein. Attends. Et quand on regarde, je n'ai pas fait. C'est que quelqu'un prend mes papiers. Non, je ne peux pas payer. Je ne l'ai jamais fait. Si je donne, c'est parce que lui et moi, on a dépassé. Maintenant, on ne parle plus de la voiture. On ne parle plus de, on ne se fâche plus. Maintenant, je le fais. Je lui dis que bon, mon frère, je sais que tu souffres beaucoup. Bon, ça va t'étancher quand même ta soif. Moi, je suis comme ça. Là, il va parler doucement, papa. Je peux te donner un petit truc. Je comprends ton travail. Toute la journée, tu es là depuis 2 jours. Je te comprends. C'est comme ça que je finis. Dit que ça veut dire au final, vous avez besoin de quelque chose. Même si vous voyez les passants, c'est pour pas même vous exagérer. La façon de demander, c'est pas comme ça. Mais jamais je ne donne quand on a pris les papiers de ma voiture, je donne pour que j'ai payé, non. Ils savent bien. Parce que je dis, ma voiture a quel problème? Ça n'est pas les... Ils regardent. Après, maintenant, ils tournent, ils disent, OK, voilà les papiers de la voiture. Et maintenant, on laisse ça, parlons d'autre chose. Et là, toi, il faut comprendre que c'est... Et là, maintenant, tu peux le donner même 5 000, même 2 000, même 1 000 francs, si tu veux. Là, c'est maintenant entre vous. Tu casses l'affaire et c'est entre vous. Et parfois, tu dis, je n'ai rien. D'autres comme ça, ils disent que moi, je n'ai rien, je suis désolé. Quand je retourne, si on se revoit, je peux lui donner, voilà. Je comprenais un peu. Mais pas aller donner jusqu'à... Non, 100 000 francs, c'est beaucoup, même 50 000. Si tu en règles, comment tu vas payer comme ça? Même si tu as fait un petit délit, non. Est-ce qu'en Europe, tu payes, même si tu es allé en vitesse, est-ce que tu as payé, tu payes jusqu'à 100 000? Non. En Europe, bien sûr que si tu es en vitesse, plus que ça, papa, je paye 35, 40, ça dépend des situations. C'est normal. Ça ne me dérange pas, même au niveau du Cameroun. Peut-être qu'on a fait une erreur, oui. Mais ils sont là pour viser les gens qui se disent que comme on est nouveau, ils se disaient que nous, on est nouveau, au fait. Que voilà, une fille avec un blanc sucre, il vient. Non, moi, je lui ai dit que j'étais ici l'année passée. Ils ont vu le passeport, ils ont vu qu'on était. Parce que quand ils ont vu le passeport, ils voient que l'année passée, tu étais là. Ça allait refroidir aussi. Hein. Quand tu viens avec le voiture, mais non, attends ma chérie, est-ce que si tu me coupes même la journée, ça va te servir à quoi? Parce que si tu viens avec le système là, tu vas pas t'en sortir, c'est ça que je dis. C'est à toi de changer le système. Au pays, quand tu es au pays, même si tu amènes le voiture quelque part, parce que de vivre ce genre de situation, mais tu dois être patient. Parce qu'avec les policiers, sois patiente. Parce que tu auras, parce que quand tu commences comme ça, ce serait la même habitude. Et si tu auras ça, parce que ça te fait un peu grandir au niveau du camp. Parce qu'il faut apprendre à dire non, ça ne marche pas. Vous comprenez? Il faut apprendre à t'exprimer parce que tu ne peux pas t'exprimer en payant de l'argent. C'est que tu es mal barré. Tu verras qu'à chaque situation, tu auras seulement envie de retirer l'argent pour les donner et ça va, ce ne serait pas bien. Il faut apprendre à faire comprendre aussi parce qu'ici au pays, c'est lent. Il faut apprendre à parler. Oui, même ça va te prendre 10 minutes, 15 minutes. Si tu réussis à prendre les papiers de la voiture, ça veut dire que tu as gagné le dessus. Attention. Parce que c'est psychologique, hein? Parce que si tu commences à payer, tu vas le payer tout le temps. Moi, j'écris et finalement, je suis habitué dans mon instinct profond. Quand les policiers me stoppent, je sais que je ne dois pas payer. Je parle, je récupère les papiers, je m'en vais. Et si je le fais, c'est volonté. Peut-être que je mets 1000 francs, mais 1000 francs, je dis que mon frère, voilà pour la bière, je plie, je mets dans sa main. Je dis que mon frère, voilà. Mais pas question que parce qu'il a payé, non. Parce que si je commençais déjà l'année passée, j'allais continuer avec. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque fois, j'arrive devant, et c'est comme une malchance. Tu arrives devant, on te prend. Tu donnes 30 000. Il dit qu'il faut payer 75 000, tu prends 40 000, tu donnes. Tu arrives devant, tu peux te facilement, et chaque année, tu vas le faire, et le faire, et le faire. Exactement. Non, je ne fais pas ma soeur. Parce qu'ils ne sont pas les seuls contrôlés. Parce que quand tu roules derrière les Yaoundé, à Kribi, ou Douala, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Aïe, maman, je ne peux pas. Je ne peux pas, mes soeurs. Moi, je ne peux pas faire comme vous faites là. Je ne fais pas. Même sur le Watt, ça fait quoi? Il doit patienter sur le Cameroun, c'est le pays. Le pays est lent comme. Le pays n'est pas comme l'Europe. Le Cameroun n'est pas comme l'Europe. Mon blanc devait savoir que. Maintenant, il connaît que tout, c'est comme ça ici. Parce que c'est à moi de l'amener à comprendre que c'est comme ça. Quand je sors de la voiture, je m'avais fait peut-être 30 minutes. Il connaît. Il sait qu'elle est en train de se battre pour récupérer les papiers. Il comprend. Il attend. Et le Watt, ça fait quoi? Ce n'est pas les 30 minutes là qui m'ont passé qu'on a réussi pas à faire, ça va nous empêcher d'arriver à destination. Je me bats contre un système qui n'est pas logique. Je n'ai pas l'argent à verser. Eh mon Dieu, tu t'as rendu compte que tu dépasses, tu arrives dans un petit coin, on te coince, tu prends 30 minutes, tu donnes. Dès qu'on tu arrives encore un autre. C'est comme ça qu'il va m'appeler. Attention, sur la route là, il s'appelle. Il va appeler devant. Il appelle devant. Tu vas rouler, tu arrives encore, on t'appelle, on te stoppe encore. Tu prends encore 30 minutes, tu remets. Il prend tes papiers, il signe parce qu'il sait que tu as payé là-bas en haut. Maman, les gars là sont.
Ils m'ont dit que là, la voiture numéro comme ça, parce qu'ils se communiquent, la voiture numéro comme ça. Il faut voir parce que les gens ont le dos. Tu arrives maintenant, tu sais que tu as 200 000 devant là-bas. Si tu as la malchance, tu dois encore 40 000. Ça te fait 140 000. Avant de partir encore, tu as encore la malchance, tu tombes encore sur l'autre 20 000. Ça fait déjà 160 000. Ah. Et ils ont peur quand elle a le téléphone. Parce que vous savez, quand elle fait comme ça, sur mon téléphone, tu les manges, ils manipulent. Ils ne parlent plus. Parfois, il fait le système. Quand vous parlez, je fais. Je suis très bandit, je fais comme ça, je te regarde, je commence à manipuler mon téléphone, il fait comme ça. Il quoi, il dit que. Vous faites quoi? Je dis non, rien. Mais laissez le téléphone. Il dit que. Vous m'intéressez. Il dit vous filmez, vous enregistrez. Il dit non. Il dit. Ah, vous avez dit quoi, monsieur? Moi, parfois, après, il ne parle plus. Après, il dit, prenez vos papiers, partez. Oui. J'espère que vous n'enregistrez pas. Hein. J'ai dit, non, je n'enregistre rien. Moi, c'est question à règle. Est-ce que j'ai un problème? Moi, c'est question à règle. Vous voulez qu'on fasse combien de temps ici? Une heure de temps. Je vais attendre les papiers. Quand vous allez finir, moi, vous me donnez les papiers, je m'en vais. Je suis très cool. Aka. Ce n'est pas les histoires, hein. Je suis très cool. Amenez-moi, je m'assois. Hein. Moi, je suis comme ça. Je vais m'asseoir. Je suis là. J'ai seulement mon téléphone entre les mains. Vous parlez, oh madame, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ah, vous voulez qu'on fasse quoi, papa? Pardon. Vous ne dites rien. Je dis que, ok, ça n'a pas les papiers. Il n'y a pas la vignette. Ce n'est pas les papiers de la voiture. Voilà mon nom. Ce n'est pas mon nom. Voilà mes papiers. Je ne suis pas en règle. Vous voulez encore quoi? En tout cas, quand vous aurez fini de me dire ce que j'ai fait, voilà. Voilà. Moi, j'ai mon temps, mais papa. C'est comme ça qu'elle fait souvent. Je ne regarde pas. Elle dit que quand vous avez fini, vous allez me dire vraiment ce que j'ai fait. Et que si il faut qu'on arrive au tribunal, je suis prête à aller avec vous. Il n'y a pas de souci. Vous me dirigez, vous me faites un truc, une convocation, je veux aller là-bas. Maman, elle connaît casser les gars là. Mm-hmm. Ce sont les êtres humains. Moi, ça m'effraie. Puis c'est les êtres humains, ce n'est que parce que, bon, ils ont une fâcheuse manière de faire qui n'est pas bien, mais bon, il faut souvent prendre son sang froid, il faut se calmer. Moi, je ne insulte pas. Je ne gronde pas, je ne crie pas. Je prends tout mon temps, je viens, je m'assois, je te regarde. Mais c'est quand tu as un mauvais comportement, tu arraches le passeport que je commence à crier. Voilà. Voilà. Mais si tu viens, tu te présentes, tu dis, madame, garé, monsieur, remettez, je lui dis, remets les papiers, il remet, je parle en allemand. Après, quand il parle à la main, il dit, j'ai dit non, lui, c'est pas la peine, il ne comprend rien. Donc, monsieur, l'argent, c'est avec moi. Et c'est terminé. Ils ont perdu parce que le blanc ne comprend rien. Tu vas parler quoi avec un blanc qui ne comprend rien? Je dis au blanc que s'il parle, tu parles en allemand. Voilà. Il dit qu'il parle en German. Vous parlez en German? Il parle suisse allemand. Il ne parle pas français, c'est moi qui interprète. Il regarde, il prend mes papiers, il regarde les voitures. Le nom de la voiture, ce n'est pas son nom, c'est mon nom. Il dit que voilà, ça m'appartient. Voilà, c'est tout. Donc, c'est avec moi. N'ayez peur de quoi? Est-ce que ce qu'ils mangent les gens? Ce sont des êtres humains parce que c'est la galère qui les font faire ça. C'est la galère. Parfois, ils tentent les chances sur vous. Si ça tombe, ils prennent. Mais sans vous mentir, ils ne vont pas vous amener quelque part. Ils ne vont pas. Non, 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 ils ne prennent pas vos papiers. Hein. Ils ne vont pas aller avec vos papiers. Ils savent que vous êtes en train de voyager. Il va prendre tes papiers de la voiture. Il va rentrer sur Yaoundé avec. Non. Quand tu es patient, tu remets tes papiers. Ils sont bien conscients que tu ne peux pas continuer sans papier. Non. Voilà. Quand tu fais le dur, il te remet. Voilà. Il n'y a pas la lumière. Non. On a coupé. On a coupé la lumière, papa. Mon papa, bon, là, je vais vous laisser, mes chéris. C'était la tombée de la nuit. Hein. Ah ben. Ils sont allés au sous-quartier avec les dossiers. Ouh. Et ils ont vraiment pêché le poisson, hein. Prochainement, ne voyagez plus dans la nuit. Fais aller dans la journée, ma chérie. Assia. Non, 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 non. Non, il allait vous faire quoi? Même si c'était dans la tombée de la nuit, c'est parce qu'il dit qu'ils vous ont eu. Ils vous ont eu. Ils sont là, non? On ne peut pas vous agresser. C'est qu'ils suivent, ne peut pas laisser qu'on vous agresse. Ils sont là. C'est qu'ils ont eu la chance, le jackpot qu'ils ont eu vraiment. Je crois que le jour-là, ils ont vraiment dit que waouh, ils ont dormi. Hein. Je crois qu'ils ont dit que ouf, aujourd'hui-là, on a eu. Ils se disent à combien? Ils ont partagé 100 000. Hé, hey, maman, les gars ont dormi. Ils ont enlevé leur truc, les barrages, ils ont dormi. Ils se sont couchés, ils ont dormi. Hein. Non, prochainement, ne fais plus ça, Léa. Non, non.
C'est ce que je te conseille. Hein. Je suis avec le Watt aussi, non, ma soeur? Ah ben, sans te mentir, je suis avec lui. C'est à toi de t'imposer. Tu as les règles, tu as en règle, ne panique pas. Même si c'est la nuit, ne panique pas. Sois patiente et puis tu dis voilà. Alors, j'ai 6 ou 7. Tu vois comment les 100 000 francs, ils sont partagés, tous, hein, sont partagés. 100 000 francs, là, vraiment, là. Chacun au moins 10 000, peut-être 12 ou 12 000, hein. Voilà. Ils ont profité, ils ont gagné. Ils se partagent, ça n'entre pas dans les caisses de l'État, ne t'inquiète même pas. Ça, c'est l'argent qui va dans leur poche. Vraiment, les gars, là. Parce que quand je sais que ça, il n'y a pas de papier. Parce que vous savez que parfois, ils donnent les papiers des contrevations. Là, ils disent, oh, c'est 60 000, ils disent, ah, 60 000, c'est quoi? Parfois, ils fabriquent les faux trucs, ils viennent faire semblant comme s'ils écrivent. Il y a un qui m'avait fait ça avec le bois. Hein. Il fait comme s'ils écrivent. Il dit qu'écrivent, alors vous ne me donnez pas la trésorerie payée. Le gars, il a arrêté d'écrire. Il dit quoi? Il dit que, mais écrivez, alors vous me donnez, je n'ai pas payé la trésorerie. Je n'ai pas payé les 65 000 à la trésorerie, il n'y a pas de problème. Mais je vais appeler l'enfant, je filme, j'envoie avec directement, il part là-bas avec mon WhatsApp, il filme, il part copier, après il part à Crisot payer tout de suite là. Maman, le gars n'a arrêté d'écrire. Il a arrêté. J'ai dit que vous pouvez envoyer la copie. Vous me donnez, je copie, je filme ça, j'envoie. Il va aller sortir la copie, il va aller à la trésorerie payer. Nous savez, là, c'était une nouvelle technologie. Je paye les 65 000 là. Après, le gars, il s'est arrêté, il dit que ouais, la femme, si. J'ai dit que vous voulez payer, je veux payer 65 000 sur quoi? Vous savez combien à la fin j'ai donné? J'ai seulement un choco. Voilà. Un choco. Il m'a remis mes papiers, il m'a dit que prenez les papiers. Voilà, vraiment, fais quelque chose. J'ai fait, j'ai dit que voilà ce que j'ai. Il y avait 5 000, j'ai dit que prends. Il m'a dit, mets dans le cahier. J'ai mis dans le cahier, il a pris. J'ai dit que ok. Il a dit que quand je vais remonter, ne m'attrapez plus. Voilà, prochainement, là, même il faut même que je filme. Maintenant, quand je donne comme ça, je filme, même je garde. Pour que vous vous rappelez que je vous avais donné quand je passais. Quand vous, votre collègue passe, je dis à votre collègue que je vous ai payé. Après, il dit, qui est la femme si? J'ai dit, oui. Prochainement, quand il donne mon nom, même ses 1000 francs, je dois filmer et garder. Quand je repasse ici, là encore, c'est quelqu'un m'a dit que j'avais à payer sur la route ici. Ou prochainement, je fais mes vidéos, je les mets dans Facebook. Vous connaissez. Mais je parle comme ça. Moi, je parle toujours comme les blagues. Hein. Vous comprenez? Je ne parle pas que je suis agressif. Moi, je suis souvent très. Je suis pas agressif. Hein. Il fallait demander. Moi, seulement quand je parle, j'ai un ton autoritaire. Mais seulement, je ne suis pas imbécile, mais si vous me connaissez, oh, je vais appeler tel. Ah, je ne parle pas. Moi, surtout, j'ai des choses comme ça, je ne parle jamais. Donc, je ne dis pas, mon frère, c'est ci, j'ai mon oncle qui est comme ça, oh, machin, vous connaissez qui je suis. Non, je ne suis pas dans cette. Je parle de moi et de ma façon d'être, c'est tout. C'est quand vous voulez un peu mettre le nom de vos familles, le nom des gens, que ça devient un peu une guerre. Moi. Si, dans la chambre. Voilà un habit là-bas sur le banc. Le banc là, ici là, sur la chaise de la matos, il n'y a pas. Non. C'est qu'on a enlevé. Oui. Ouais, je vais vous laisser mes soeurs. Je vais me reposer. Je suis sorti aujourd'hui. Je suis sorti hier dans la nuit là. Mon joker était trop sucré. Je suis rentré. Jusque là, je suis fatigué. Je ne suis pas encore bien reposé. J'ai bu les comprimés là même jusque là. J'ai bu les aspirines là pour les mal de tête là. La tête me fait toujours mal. On a fini de préparer. Bonne journée, mes chéris. Ah, tu ne t'es pas retourné depuis 13 ans. Ah, ben c'est ça. C'est vrai. Parce que tu as fait longtemps sans retourner, c'est ça un peu. Mais ça, il faudrait plus toujours tomber dans ces pièges-là. Il faut être patiente. Il ne faut pas dire que quand tu amènes le Watt, non. C'est pas bien. Et même quand j'ai souvent donné les petits sous, mon type ne l'a jamais vu. C'est l'autre jour au carrefour, là, quand on passe sur le même carrefour qu'on avait l'année passée, que, il y a notre policier qui vient dire que non, c'est le beau, c'est la famille. Appelle le beau, parce que, hey, regarde, je suis monsieur, je suis tel, tu sais, je suis ton frère, j'ai pris. J'avais mis 500, j'ai mis dans sa main. Le bois a vu. Le bois a dit qu'un, hein, bois, hein. J'ai demandé au beau. Il me dit, j'ai dit au beau que non. Il a soif. Comme depuis la journée, il est en train de travailler. Il a pris, il a dit merci, il est parti.
Mais l'autre son frère, l'autre son collègue, il dit que non, 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 c'est le beau, ça c'est le beau, ça c'est notre beau, ça. Parce que l'année passée, il dit que, ah, vous là, l'année passée, vous avez attrapé, vous vous rappelez, non? Il dit, oui, 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 passez, passez, c'est pas. Ouais. Ils nous reconnaissent. Et je reconnais les policiers là. Je dis, chacun, je le reconnais, oui. Comme ça. Quand je vois un parmi eux, il dit que, okay, l'année passée, vous. C'est lui qui vient dire que, oui, oui, laissez-les. L'année passée, on les a. Il dit que, merde, c'est quoi? Allez au festival qui bat son plan. Ok. Oui, c'est dimanche. Je suis dans le calme, chérie. Bon, bonne journée, oh, mes copines. Bye bye. Mon téléphone est chargé. Je ne vais pas mon power bank pour charger. Heureusement que j'apporte. On a coupé le courant. Maman, le pays ici. Heureusement que ça ne dure même pas. Ça va venir bientôt là encore. Ça ne dure même pas. Dieu merci. La dimanche est passée, ils ont sous-coupé à l'heure, c'est comme ça. En pense. Ma. Allez, ça dans ta bouche. Mamie, il was. Vas-y, ça. Spielzeug. Na gut. Ich habe die Kaputstraße gefunden. So. Ja. Du musst die jetzt auch mitnehmen, nächstes Mal. Hm? Den Spielzeug nicht, nächstes Mal mitnehmen. Ja. Oh, ok, je vous laisse, Mathieu, c'est à revenir. Bisous, bonne journée, mes chéris, à demain. Bye bye, bye bye, bye bye, bonne soirée.